Otep. Miawezon. Mikwabo. Obolo. Bienvenue à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau rendez-vous qui nous donne l'occasion depuis la fin du mois de février de traiter des grands ouvrages classiques de la Renaissance Kémite. Cette série, en compagnie du Serge Kovirek Mire, a été introduite avec Nation Nègre et Culture de notre maître à tous, Cheikh Anta Diop. Et depuis, nous avons égrené 33 ouvrages et aujourd'hui, nous sommes sur le 34e qui nous donne l'occasion de traiter de l'ouvrage Ascension et Chute de Patrice Lumumba par Kanza Thomas, son ministre des Affaires étrangères. Comme à l'accoutumée, nous allons passer en revue et de fond en comble cet ouvrage à travers une série de 10 questions. Compte tenu du programme chargé et dense, je vais tout de suite aller au droit au but avec la première question qui est celle-ci. Qui était en réalité Patrice Emery Lumumba? Quelle formation idéologique et politique a-t-il reçue? Et surtout, comment peut-on expliquer son ascension fulgurante sur la scène politique congolaise et africaine, Serge Kovi? Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à tous les internautes qui, partout dans le monde, de l'Asie à l'Océanie, puisqu'on a reçu un message d'Australie, hein, d'un jeune Kenyan qui enseigne là-bas les sciences économiques, en passant par le continent américain, et bien sûr, le continent berceau de l'humanité et matrice de toutes les civilisations anciennes, à savoir l'Afrique, nous sentons comme un frémissement, une lame de fond qui pousse les femmes qui sont aux premières loges, bien sûr, de cette revendication de la dignité nègre. Les jeunes ne sont pas en reste. Leur situation sociale, comme chacun le sait, ne cesse de se dégrader compte tenu des remèdes préconisés par les institutions de Bretton Woods qui consistent justement à précariser cette jeunesse africaine, une jeunesse qui pétille d'intelligence, une jeunesse qui a soif de servir son continent, mais qui se retrouve aujourd'hui marginalisée au point de prendre ces cimetières flottants qu'on appelle des bateaux et mourir sur les rives de la Méditerranée à la recherche d'un improbable Eldorado. Nous considérons, pour notre part, que cette jeunesse détient les clés de l'avenir de l'humanité. L'Afrique est aujourd'hui, ce sont là des considérations géostratégiques que partagent tous les experts en la matière. L'Afrique est aujourd'hui l'épicentre d'un combat dont l'enjeu est le leadership du monde au troisième millénaire. L'Afrique est le théâtre d'une compétition économique féroce qui oppose deux blocs, le bloc Chine-Russie, à la tête des pays dits des pays qui commencent à dessiner le projet d'un monde multipolaire dans lequel il y aura des échanges sur la base du respect mutuel et surtout la souveraineté, le concept de souveraineté. Il y a de l'autre côté le bloc Union européenne, États-Unis d'Amérique. Encore que la politique un peu iconoclaste du président des États-Unis, Trump, fait qu'au fond, il ne veut plus assumer le rôle de gendarme de l'Europe et du monde en lieu et place de l'OTAN. Donc il demande aux Européens qui sont si belliqueux, et au premier rang desquels on trouve la France bien sûr, leur demande d'assumer leur propre politique hégémonique. Que de ce que j'appelle des fissures au sein d'une même famille. Parce que quand il y a des crises majeures, l'Europe et les États-Unis se retrouvent autour de la même table, comme ce fut le cas à Berlin, de 1884 à 1885,
Les États-Unis étaient présents, étaient représentés par diplomates plénipotentiaires. La part des puissances coloniales et européennes étaient présentes. Même l'Empire ottoman était présent. Mais aucun représentant de l'Afrique n'était présent à cette occasion. Je rappelle que l'enjeu de cette rencontre que nous appelons la conférence de Berlin, ce n'était pas de procéder au partage de l'Afrique comme un gâteau. Ça, c'est l'imaginaire populaire. C'était de délimiter des zones d'influence. En attendant, ce qu'on appelle la course au clocher, où chacun devra occuper ses territoires, qu'on ne connaît qu'à travers des cartes discutables d'ailleurs. Parce qu'il se trouve que le pays dont je suis originaire, le Dahomey, à cette époque n'existait même pas. Donc les Français sont arrivés seulement en 1890, avec toute une soldatesque, composée à 95% de soldats sénégalais, qui ne connaissaient même pas l'existence du Dahomey. Mais à leur tête, il y avait donc un métis, fils d'Écossais, le général Alfred Amédée Dodds. Et Béhanzin n'a jamais fait de reddition. C'est un acte de trahison qui a fait que pour préserver les palais de ses ancêtres, qui étaient menacés d'être incendiés, il a dû sortir de sa retraite parce qu'il s'était engagé dans une guerre asymétrique. Et la France n'avait aucune chance de l'emporter, comme l'a reconnu d'ailleurs le président de la République française de l'époque, auquel Béhanzin avait adressé des lettres que aujourd'hui on est en train de cacher à tout le monde. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis le 15e siècle, certains disent même la fin du 14e siècle, le bassin du Congo, fils d'Écossais, le général Alfred Amédée Dodds, le théâtre et d'une Béhanzin bataille fait de reddition pour le contrôle, un acte de trahison de la fait la zone la plus riche de la terre. Le palais de ses ancêtres. Ce n'est pas moi qui le dis. Il était menacé d'être incendié. C'est Bismarck. Il a dû sortir de sa retraite. Donc si Bismarck le dit, s'était engagé dans une guerre asymétrique, avait déjà des éléments. Et la France n'avait aucune chance de l'emporter. Dû à des gens qu'on appelait des explorateurs de la République française. Mais qui étaient en fait des espions. Hein? Il y avait aussi les missionnaires qui faisaient aussi leur part du travail, disons, de la sale besogne. Il y avait des médecins de brousse qui venaient guérir des pathologies tropicales auxquelles ils n'étaient pas eux-mêmes accoutumés dans leur berceau européen. Il y avait donc toutes sortes d'aventuriers qui ont préparé la conférence coloniale de Berlin. Les discussions ont achoppé sur un seul point. Et ça a fait que certains ont passé des nuits blanches. Il s'agissait de s'approprier le Congo. Il fallait s'approprier le Congo. Donc, devant l'impossibilité pour l'Angleterre de s'approprier le Congo, parce que la France a dit pourquoi pas, hein? Vous, en vertu de quoi vous devez vous prendre la meilleure part. Donc, la France s'est rebellée. Ensuite, les États-Unis ont dit, mais nous, on n'aurait pu prendre le Congo, puisque nous sommes plus forts que vous tous ici. Et à la fin, ils se sont dit, si on veut éviter une guerre civile européenne en Afrique, il faut laisser le Congo à une compagnie commerciale. Et cette compagnie commerciale a donc été, disons, créée pour les besoins de la cause. Parce qu'il fallait que l'État indépendant du Congo, c'est comme ça qu'on appelait ça, revienne à une compagnie qui permettent à chacun des protagonistes et des belligérants d'avoir sa part. C'est à partir de là qu'on a dit que puisque Léopold II avait déjà un projet d'occupation des terres du Congo, mais il n'était pas seul. Il y avait aussi les Néerlandais, les Hollandais, qui ont participé également à la traite négrière. On sait très bien que la ville de Rotterdam n'aurait pas été une ville prospère sans la traite négrière. On sait également que le grand philosophe Spinoza, sa fortune est due en partie au trafic de chair humaine. Donc, les Hollandais ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique australe.
Nous, on veut aller là-bas, sur les terres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. Et que les autochtones appelaient l'Azanie, Azania. On veut aller là-bas. Les Allemands ont dit, nous, on veut aller au sud-ouest africain. Parce que là-bas, nos explorateurs nous ont dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Il y a du fer, il y a de l'aluminium, il y a du manganèse. Et on n'a jamais parlé des populations africaines et de leur sort. On n'a parlé que des richesses. Parce que l'être humain n'est pas une richesse. L'être humain est tout simplement un capital humain. C'est comme ça qu'ils appellent. Donc, ils ont dit, nous, on va prendre le sud-ouest africain, la Namibie. Les Allemands ont dit, nous, on veut ça. On a dit aux Allemands, bon, comme vous êtes les personnes qui... Vous recevez tout le monde à Berlin. On ne peut pas vous dire non. Bon, les Allemands ont dit, mais ça ne suffit pas. Parce que nous aussi, nous pouvons tenir tête aux Américains. Parce que tout le monde parle de force. Et le représentant des... Il faut éviter de donner aux nègres le spectacle lamentable de blancs qui s'entretuent pour des richesses de l'Afrique. Il faut laisser les nègres s'entretuer, mais pas les blancs. Parce que nous sommes là pour leur apporter la civilisation. Et nous avons un devoir vis-à-vis des races inférieures. Donc, à partir de là, on a dit, bon, on va jouer la diplomatie de la concorde. C'est comme ça qu'ils ont obtenu une partie du Cameroun, ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Hein? Mais, ils ont dit, on veut aussi quelque chose en Afrique de l'Ouest. Donc, comme les Anglais convoitaient la Gold Coast, donc le Ghana actuel, que les Français ont mis leur dévolu sur le Dahomey. En fait, tous ces territoires n'existaient pas encore à l'époque. C'était encore des royaumes africains à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement donner le Togo aux Allemands. Ils ont dit, nous, le Togo est petit, mais le Togo... Donc, ils savaient que le Togo avait regorgé de phosphate. Ils savaient, c'était extraordinaire. Il n'y a qu'un seul point sur lequel il n'y avait pas d'impréparation ou d'improvisation. C'était la quantification scientifique des richesses de l'Afrique. Les matières premières stratégiques. Les ressources énergétiques et minières. Donc c'est ça qui a déterminé ce que nous appelons le dénouement de cet événement diplomatique majeur pour l'Occident. Mais si on se rendra compte qu'un événement semblable s'était produit avant, qui a donné lieu à une controverse, que les historiens appellent la controverse de Valladolid. Parce qu'à l'époque, on discutait pour savoir si les Indiens, les Amérindiens et les Sarrasins avaient une âme. S'il est établi qu'ils n'ont pas d'âme, ben, il faut tout simplement qu'ils travaillent pour l'Occident. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Et seul le pape pouvait trancher. Effectivement, le pape qui était lui-même intéressé par les ressources terrestres, lui-même qui nous dit que tout ce qui existe sur Terre est éphémère et qu'il faut travailler en fait pour mériter le paradis céleste. Il commence à s'intéresser aux richesses terrestres. Et le pape dit ceci, il est légitime du point de vue canonique que les races qui n'ont pas d'âme puissent travailler pour les peuples de races supérieures. Donc, ils ont édicté 12 bulles. Pontificale, nous n'en connaissons qu'une, celle de Nicolas V, que Fassassi a transcrit, traduit du latin en français, dans un ouvrage au titre polémique, Le péché du pape contre l'Afrique. Donc, à partir de ces considérations, on a dit, les plus forts vont maintenant prendre les territoires. Ça, c'était entre 1887, deux ans après la fin de la conférence. Et 1892, on appelle ça la course au clocher. C'est en vertu de cette course au clocher que l'Allemand Nachtigal est parti faire un traité avec un prince Douala Bell. Et il en a profité, dit que ce traité, d'ailleurs que le prince Douala n'a pas su lire, puis c'était un Allemand. Il a tout simplement signé parce qu'il fallait qu'il évite d'aller en esclavage ou d'être déporté. Et quand il a fini de signer, il ne savait pas que c'était valable aussi pour les peuples de l'Ouest, les Bamileke, qui n'ont jamais rien signé. Les Haoussa. Pour les peuples qui sont les cousins donc des Bamileke, ils ont une parenté à plaisanterie qu'on appelle les Bamoun.
Il n'y a que le fleuve Noun qui les sépare et aussi l'islamisation des Bamouns. Hein? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous nous accrochons à des territoires que nous appelons le Bénin, le Togo, le Ghana, le Cameroun, alors que nous n'avons jamais pris part aux discussions qui ont abouti au tracé des frontières. D'une part. Deux, qu'on ne nous a jamais demandé si ceux qui étaient de l'autre côté de la frontière étaient nos parents ou pas. Donc au Bénin, il va de soi que les Yoruba sont au Nigeria. Donc on les appelle des anglophones. Et nous, Yoruba, et Yoruba speaking peoples, nous sommes au Bénin et on nous appelle des francophones. Et on nous dit que nous n'avons rien à voir ensemble. Parce que nous n'avons pas la même histoire coloniale. Le problème qui est posé là, c'est que les Africains ont entériné ce que j'appelle le dictat de Berlin. C'est un dictat contre l'Afrique. Et ça, ils ont mis ça dans la charte. Contre l'avis de Nkrumah. Le 25 mai 1963, à Addis Abeba, ils ont mis que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Et quiconque touche à ces frontières ou infléchit le tracé de sa frontière commet un acte qui relève tout simplement de la menace contre la sécurité internationale des nations. Donc c'est très très grave. Et je me suis dit, heureusement que certains n'ont pas touché. Pour leur propre intégrité physique, il valait mieux ne pas toucher aux frontières. Mais les mêmes Européens, ils ont touché aux frontières entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest une fois que le mur est tombé. Et ils ont touché aux frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de pétrole et qu'ils étaient en compétition avec les Chinois. Donc il fallait qu'ils prennent des Noirs pour dire qu'il y a indépendance. Donc c'était le cas de Riek Machir et Salva Kiir. Or, celui qui voulait l'unité du Soudan et qui voulait utiliser le Soudan comme l'épicentre pour une fédération africaine, il a été assassiné dans un accident d'hélicoptère. On a saboté son hélicoptère. C'est John Garang, le dirigeant John Garang. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que cette introduction vise à situer le Congo comme l'épicentre des États-Unis d'Afrique. Le Congo, c'est l'épicentre des États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire, si le Congo n'accède pas à la souveraineté, parce que le concept de souveraineté était plus bas que le concept de développement, c'est un concept nébuleux qu'on n'a jamais pu définir selon les règles de la science économique. Donc, ça veut dire que la souveraineté de l'Afrique dépend de la libération du Congo. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des siècles, le Congo est le cœur de l'Afrique qui saigne. L'Afrique, aujourd'hui, souffre de ce qu'on appelle une tentative de dépeçage hémorragique. Voilà. Les mots sont peut-être forts, mais l'hémorragie du Congo, jusqu'à présent. Au moment où je vous parle, on a découvert encore des fosses communes au Congo, malgré la présence de la MONUSCO et des forces supposées être des forces d'interposition que la communauté internationale a déléguées, déférées pour assurer ce qu'on appelle l'ordre international. Donc, il ressort donc de ces considérations que le Congo est aussi un verrou géostratégique. Un verrou géostratégique dans le sens où, si le Congo, je parle maintenant de la RDC, parce qu'il y a quatre conceptions du Congo, quatre façons de parler du Congo. Donc, la RDC, le territoire qu'on appelle la RDC, eh bien, si ce territoire s'unit avec l'Angola, ça veut dire qu'une porte est ouverte pour un vaste marché qui verra la libre circulation des hommes, des produits de ces hommes, des idées et aussi la constitution d'un vaste marché régional. Donc le destin du Congo en tant que verrou stratégique, j'appelle verrou stratégique, le fait qu'on bloque un pays pour qu'il ne puisse pas avoir d'ouverture avec les autres pays
qui ne constituait qu'un seul pays au temps du royaume du Congo. Car la capitale, les vestiges du royaume du Congo se trouvent actuellement en Angola, en Banza-Congo. Donc on voit bien que c'est le même peuple, c'est la même géographie physique, humaine, linguistique et culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont fait ça avaient un plan. Et ce plan, c'était d'empêcher la constitution de ce que j'appelle un vaste marché commun de l'Afrique centrale. Et nous avons, du point de vue géostratégique, la certitude que les pays africains pris isolément, qu'il s'agisse du Bénin, du Togo, du Ghana, même du Nigeria, sont dans l'incapacité de faire face à la Chine. La Chine étant une puissance nucléaire qui a des ambitions voraces sur le continent africain, je ne vois pas comment le Bénin, avec 5 millions d'habitants, avec un PIB dérisoire, peut dire « je fais face à la Chine aujourd'hui ». Je ne vois pas. Je ne vois pas comment le Bénin, dont je suis originaire, donc je parle en connaissance de cause, peut faire face à l'Union européenne. Déjà, le Bénin ne peut pas faire face à la France. À plus forte raison, à l'Union européenne. Je ne vois pas comment le Bénin peut faire face aux États-Unis d'Amérique. Je ne vois pas comment le Bénin peut faire face même à l'Inde, le sous-continent indien. L'Inde est dotée de l'arme nucléaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été fait depuis Berlin pour que les pays africains soient dans l'incapacité d'acquérir leur souveraineté économique, diplomatique, militaire, culturelle, etc. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle des grands pays comme la RDC sont utilisés comme un territoire où les États-Unis demandent à l'Ouganda d'attaquer. Un tel territoire, c'est aberrant. Vous voyez? Et donc, les Congolais, comme ils n'ont pas ce recul historique, comme ils n'ont pas cette conscience historique, ils font des Rwandais leurs ennemis. Et les Européens les encouragent. Oui, effectivement, c'est une guerre raciale, ancestrale, millénaire, où les nomades, Tutsis, qui sont des chamitiques, prennent leur revanche sur les agriculteurs Hutu et Bantu. Donc autour de ce schéma, on laisse de côté l'analyse géostratégique et on se livre à ce que j'appelle des spéculations sans aucun fondement scientifique. Et ces spéculations donnent lieu, les Européens cultivent, c'est ça que je veux dire, les Européens cultivent dans les relations internationales les plus feutrées avec l'Afrique, ce qu'on appelle les guerres intestines tribales. Tribal. Deuxièmement, les guerres intestines confessionnelles. Troisièmement, les guerres intestines micronationalistes. C'est-à-dire qu'au nom du Mali, ben, on se bat contre le Burkina, sous Sankara. Mais en fait, derrière Moussa Traoré, c'est la France. Donc aujourd'hui, les contradictions sont arrivées à un tel point que ce sont des rébellions qui sont formées avec des armes qui sont plus sophistiquées que les armes des armées régulières africaines. Alors que nous savons que l'Afrique ne fabrique pas d'armes. Donc le problème qui est posé, c'est qui entraîne cette surenchère, cette déification des armes. Donc les hommes politiques écrivent maintenant, voici comment je suis devenu rebelle. C'est le titre d'un livre de Soro Guillaume, qu'il est devenu rebelle. Et pour être un homme politique aujourd'hui en Afrique, il faut faire la rébellion contre son propre peuple. Voilà donc ce qu'on appelle le salaire de l'impunité en Afrique. C'est donc une Afrique qui ressemble à un empire du chaos. Un vaste empire du chaos. Parce que c'est le chaos que les puissances belligérantes qui organisent dans l'ombre notre désorganisation sont en train de mettre en place. On ne peut pas exploiter les ressources de l'Afrique s'il n'y a pas le chaos. Parce que quand il y a le chaos, les populations sont tout le temps en train d'être déplacées. Elles n'ont pas le temps de produire ce qu'elles consomment et de consommer ce qu'elles produisent. Donc, si j'ai dit tout ça, c'est parce que, du point de vue de notre vision du Congo, nous avons donc ce que nous on appelle Congo-Katiopa. Congo-Katiopa, c'est en fait tout le continent qui a été civilisé par la grande confrérie des dompteurs de léopards.
Certains disent des chasseurs. Mais en fait, avant de chasser, il faut dompter. Donc, cette façon de mettre la peau de léopard depuis l'Afrique du Sud, les Zoulous, c'est-à-dire les... en passant par le Congo, en passant par le Soudan, le Kenya, parce qu'on voit cette peau de léopard avec le président Jomo Kenyatta qui portait cette peau de léopard. On voit cette peau de léopard en Éthiopie actuelle. On voit en Égypte antique sur les fresques où le prêtre Sem porte cela. Sem, c'est le même nom que Zuma. Zuma, Zumé, Semé. C'est le même nom, ça veut dire le prêtre purificateur. Le prêtre purificateur. Donc, la confrérie des dompteurs de léopard a été la confrérie initiatique qui a créé le Kintwadi et le Kingunza. Et à partir de là, ils ont donc exporté ces rites initiatiques, ces cultes ancestraux, ces louanges qui étaient psalmodiées par ce que nous on appelle les initiés supérieurs Congo, jusqu'en Nubie. Et de Nubie, ces rites sont passés en Égypte pharaonique. Il ressort de ce qui précède que l'Égypte pharaonique n'est pas à l'origine des civilisations de l'Afrique noire, mais l'Égypte pharaonique est un épanouissement et une évolution tardive d'un processus qui a commencé dans la région des Grands Lacs et dans le bassin sein du Congo et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs là que les premiers hommes anatomiquement modernes sont apparus sur la Terre. C'est ce que nous enseigne la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique et plus récemment la génétique des populations. Ça veut dire que l'humanité a une seule origine. Et c'est la thèse de l'origine monogénétique africaine et négroïde de l'humanité qui aujourd'hui recueille les suffrages de tous les spécialistes sérieux. Je laisse de côté ici les idéologues vulgaires qui se couvrent du matin de manteau de la science pour commettre des crimes et des génocides. Voilà notre position sur cette question. Le Congo Katiopa, c'est donc l'expansion de la culture du bassin du Congo sur toute l'Afrique jusqu'au Sahara. Le dessèchement du Sahara commence à partir de moins 7000. Mais avant ce dessèchement, nous avons eu plusieurs périodes pluviales, subpluviales. Nous avons eu... Le Sahara était un endroit où on élevait les animaux. Et où, effectivement, les peintures du Tassili nous le montrent. Mais je dis aussi que c'est de Congo Katiopa que le pays de Canaan a été peuplé. Les Cananiens. Nous sommes donc sur le territoire que se disputent actuellement les Juifs et les Arabes, qui sont venus après. Donc ça veut dire que l'homme de Kafzé est venu du bassin du Congo. C'est le premier type anatomiquement moderne attesté dans cette région, jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite, ça a donné naissance aux Natoufiens. Donc les Natoufiens sont les ancêtres directs des Cananéens. Tout ça, ce sont des nègres. Ensuite, ce sont des nègres qui ont traversé le détroit de Gibraltar pour peupler le sud de l'Europe, jusqu'à Menton, c'est-à-dire la zone qu'on appelle aujourd'hui Monaco, où l'homme de Grimaldi, qui était un négroïde caractérisé, a séjourné et a laissé son empreinte indélébile à travers l'art pariétal. C'est également de l'Afrique que sont parties les vagues migratoires qui ont affecté l'Asie, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'Inde, la Chine, etc., étaient peuplées par l'homme africain anatomiquement moderne. Il en est de même de l'Amérique, qui a été peuplée d'abord par des Africains. On voit d'ailleurs cette tête colossale de la Venda, qu'on montre négroïde. Et c'était avant l'arrivée par vagues successives, par le détroit de Bering, des populations asiatiques, venues probablement de Bornéo ou d'ailleurs, qui se sont greffées sur le substratum nègre africain. Voilà pourquoi on parle des Amérindiens. Les Amérindiens disent que c'est la peau rouge. Mais c'est pas... Ils mettaient des produits rouges. Mais c'est pas leur peau qui est rouge. Donc quand vous voyez le faciès de tous les êtres humains qui ont peuplé la Terre, ce faciès est toujours africain. C'est ce que nous apprend la science. Bien. Donc ça veut dire quoi? Congo Katiopa, c'est du bassin du Congo que l'humanité a été peuplée. Ça veut dire que le bassin du Congo n'est pas seulement un endroit où on trouve des Bantous. Bantous, ça veut dire les hommes. Mais c'est l'endroit d'où la civilisation elle-même est partie. La civilisation humaine est partie. Donc s'il en est ainsi, il y a un deuxième Congo. C'est cette fois-ci des vagues migratoires qui ont affecté des territoires que nous appelons aujourd'hui l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun, jusqu'aux confins du Kenya. C'est ça le royaume du Congo à la période historique.
Et c'est pas, ça ne commence pas avec l'arrivée des Italiens comme Cavalli ou des Portugais. Ils avaient des millénaires d'histoire avant l'arrivée de ces gens-là. Mais on veut nous faire croire que l'histoire documentée de l'Afrique commence avec les colons. C'est pour ça qu'on parle toujours d'histoire précoloniale. On parle d'histoire coloniale et on parle d'histoire postcoloniale maintenant. Mais tout est autour de la colonisation qui fut un événement, excusez-moi du terme, absolument un épiphénomène historique. C'est un épiphénomène. Hein? On ne peut pas, à partir d'un épiphénomène, déterminer la conscience historique d'un peuple. Donc cela doit être clair. Le royaume du Congo était le royaume le plus étendu géographiquement, le plus puissant, le mieux organisé de toute l'Afrique. Et ceci a duré pendant des siècles, jusqu'à l'intrusion criminelle des Portugais. Ensuite, il y a maintenant ce qu'on appelle les peuples Congo actuels. Donc il y a ceux qui disent que leur langue c'est le Kikongo. Mais ils pensent que cette langue est différente de la langue que parlaient les autres ethnies qui étaient dans le royaume du Congo. Parce que dans le royaume du Congo, il n'y avait pas que les gens qui parlaient le Kikongo actuel. Il y avait des gens qui parlaient une autre langue qu'on appelle le Kingwana. Et le Kingwana, c'est le vrai nom du Swahili. C'est comme ça que ça s'appelait avant qu'on commence à mettre ça sur la côte là-bas. La côte là-bas. C'est ça qui veut dire Swahili, côte en arabe. Mais c'est la langue originelle, elle est de RDC. Le vrai Swahili, c'est RDC. Quand il parle, il n'y a pas de mot arabe dedans. Il n'y a pas de mot perse. C'est strictement bantou. Mais il y avait aussi des peuples qui aujourd'hui, par la suite, ont voulu s'émanciper. Comme les Tchilouba, les Louba, qui parlent Tchilouba. Les Louba, ça c'est les Bilolo là. Louba Bingue Bilolo, etc. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Européen est venu et a décidé qu'il y a des monographies tribales et sous-tribales et que ces tribus sont en conflit depuis la nuit des temps. Et ils ont donc écrit l'ethno-histoire des Congo, l'ethno-histoire des Louba, l'ethno-histoire. Donc, ils ont écrit des monographies selon leur vision raciste et raciologique de l'histoire. Donc, nous, on a hérité de ça. Et les Belges aussi, surtout les missionnaires belges, ils ont trempé dans ce racisme-là. Donc, c'est sur cette base que les Léopold II ont cru que c'est leur propriété privée, le Congo. Alors que c'est la plus grande puissance qui ait existé. Plus que la Chine, c'est pas moi qui le dis, c'est l'empereur de Chine qui a envoyé une mission au Zimbabwe, chez les Shona, et qui a profité pour dire qu'il aurait voulu que ses explorateurs aillent dans le plus puissant royaume de la Terre, le royaume de Congo. Faut pas confondre avec Luango, faut pas confondre avec Nzinga, là où Nzinga règne. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est l'Angola, non. Tout ça, c'était le royaume Congo. Je dis que toute l'Afrique est de culture Congo. Toute l'Afrique est de culture Congo. Mais parmi les Congos, il y a des peuples qui sont des parents de tous les peuples dont je vous ai parlé. Mais qui sont des peuples fiers. Des fiers, des peuples dignes, qui mettent au-dessus de tout. Tata Nzambi, Nzambi Ampungu, mettent Dieu au-dessus de tout. Et si l'homme est la création de Dieu, on ne peut pas vendre l'homme. On ne peut pas acheter l'homme. On ne peut pas instrumentaliser, chosifier l'homme. Ces peuples-là, on les appelle les Batetela. Car, comme beaucoup d'historiens africains ne le savent pas, mais le professeur Ndaiwel et d'autres historiens de RDC ont les documents, même s'ils ne les publient pas, toujours. Parce que chacun publie ce qui arrange, ce qu'il croit être son ethnie, en fait. Mais on n'étudie pas les choses à partir de l'objectivité des documents. On essaye de faire ce qu'on appelle l'histoire des vainqueurs. Et on réduit les vaincus au silence. Pendant tout ce laps de temps, l'Occident, après avoir pris en otage les princes du royaume du Congo, après les avoir emmenés au Portugal, ils les ont évangélisés. Et ils ont dit, tous ceux qui refusent l'esclavage, la pratique de l'esclavage, eh bien, ils seront déportés comme esclaves. Donc une résistance farouche est née, dont les ancêtres étaient là. On n'étudie jamais ça. La contribution du peuple Tétéla à la résistance anti-esclavagiste. C'est eux que les Portugais redoutaient. Et on les appelait aussi les Djaga Tétéla. Les Portugais avaient peur. Parce que c'était des hommes qui ne se laissaient jamais capturer vivants.
Donc les Portugais ont compris que pour détruire le royaume du Congo, il faut d'abord créer le tribalisme, c'est-à-dire l'esprit de guerre entre des peuples de peau noire qui appartiennent à la même famille depuis le bassin du Congo et la vallée du Nil. Donc réécrire cette histoire pour en faire une histoire de la guerre de tous contre tous depuis la nuit des temps. Deuxième chose, diaboliser leur spiritualité. Donc Nzambi est devenu zombie. Et ils ont tout fait pour dire que ces peuples-là sont des créations du diable, qui pratiquent des cultes qui relèvent de la magie noire. La magie blanche n'existant pas. Donc, ils ont également tout fait pour empêcher les confréries initiatiques dans lesquelles on formait l'élite du royaume du Congo de fonctionner. Ça, c'était le travail des missionnaires. Ensuite, ils ont fait l'école coloniale pour dire, ces peuples-là, ils doivent connaître l'histoire du Portugal. Et ils doivent être des assimilados, des Portugais. Donc quand vous allez en Angola aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont Portugais. Mais ils sont noirs. Donc ces gens méprisent aussi les autres qui ont refusé d'être Portugais. Voilà. C'est pour cela qu'il y a ce conflit entre les gens de Savimbi et les gens assimilados, noirs, portugais et métis, comme les Mario de Andrade, hein, les Lucio Lara, qui ont pris la tête du MPLA, oubliant que la résistance contre les Portugais a été faite d'abord par des peuples africains qui eux-mêmes considèrent comme des sauvages. Puisqu'ils considèrent qu'ils sont des enfants de Portugais. Donc ils disent qu'ils font la révolution marxiste, mais dans la tête, c'est le blanc qui est supérieur. Donc cette contradiction s'est reproduite en RDV. Et tous les peuples qui ont été dans le front du refus de l'indignité, comme les Bat étaient là, on a caché leur histoire. Regardez l'histoire du Congo de Ndaiwel. Il y a peut-être 10 lignes si les Bat étaient là. Regardez les chapitres de Mbokolo, Elika Mbokolo, qui a enseigné ici à l'école pratique des hautes études, sur ces peuples Bat étaient là. C'est indigne, indigne. C'est juste, je peux dire, quelques lignes de commentaires laconiques, reprenant les témoignages des Européens. Vous voyez? Donc, l'histoire du Congo est à réécrire. Totalement. Et les peuples qui ont résisté, comme les Bat étaient là, ces peuples doivent être remis au centre de l'expérience du Congo. Au demeurant, tous ces peuples sont des frères. Pour nous, ces questions même n'ont pas de raison d'être. Mais il faut rétablir la vérité historique. Et pour rétablir la vérité historique, il faut rendre justice à ceux qui se sont battus pour que l'homme noir ne soit pas esclave éternellement. Parmi ceux-là, il y a les parents de Lumumba. Ce n'est pas un crime que de le dire. C'est la vérité historique et scientifique. Donc, on voit ainsi pourquoi certains mettent l'accent uniquement sur la contribution des Bakongo. Hein? En disant qu'il y a une surenchère autour de la notion de père de l'indépendance. Qui est le vrai père de l'indépendance au Congo? À supposer qu'il n'y a jamais eu indépendance. Qui est le vrai père? Eh bien, c'est Kassavubu, pour certains. Kassavubu. On verra que le discours que Kassavubu a lu devant le roi des Belges a été écrit par un blanc qui lui a donné en disant, lis ça. Kassavubu. Je n'ai rien contre Kassavubu, je ne le connais même pas. Bon, j'ai rencontré sa fille une fois. Et elle m'a dit, oui, mais vous avez tendance à minorer le rôle de mon père. J'ai dit, madame, vous savez, votre père, à moins d'avoir eu un rôle dans l'antichambre, la scène théâtrale du monde, nous avons tous les documents. Hein? Le discours qu'il a lu, en appelant le roi belge, sire, sire. Quand on dit sire, attention, ça veut dire que c'est le grand seigneur devant lequel tu t'inclines. D'accord? En disant, c'est à vous que nous devons d'être devenus des peuples qui ont été en contact avec la civilisation. Mais pourquoi il n'a pas parlé de l'ancien royaume du Congo, lui? Pourquoi il n'a pas parlé? Après, il dit que le rôle de vos missionnaires. Mais les missionnaires étaient là quand on coupait la main des Congolais. Hein? Pour moi, ces missionnaires appartiennent à la confrérie des diables en Soutane. Voilà ma position sur la question. Parce que tu ne peux pas couper la main des gens et dire que tu sers un dieu d'amour. Hein? Donc, lorsqu'il y a ce mensonge organisé, orchestré, ça s'appelle un malentendu doublement entendu, où la victime elle-même se fait l'écho des mensonges de son bourreau. Voilà ce qui s'est passé.
Donc, je n'ai pas à faire l'apologie de Kassavubu. Ces discours me suffisent. Les documents dont les historiens disposent sont accablants pour lui. Mais ça ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que sa mémoire soit éteinte. Non, c'était un acteur historique de premier plan. Mais dire que c'est lui qui mérite le titre de père de l'indépendance, pour moi, ce n'est même pas quelque chose d'important de savoir qui était le père de l'indépendance. Deuxièmement, il n'y a qu'en Afrique où le bourreau décide que sa victime est un héros. C'est dans ce cadre que Mobutu a dit que le héros national du Congo, c'est Lumumba que lui-même a livré. C'est Mobutu qui a dit que c'est un héros national du Congo. Parce qu'il sait très bien que malgré les attributs du pouvoir et de sa puissance apparente, le peuple n'a jamais oublié le sacrifice de Lumumba. Donc il fallait qu'il récupère la mémoire de sa victime pour dire que lui, il a décrété qu'il est héros national du Congo. Voilà pourquoi je ne dis jamais ces mots-là. Troisièmement, on dit c'est le père de la nation congolaise. Vous voyez? Mais ceux qui disent que c'est le père de la nation congolaise, ils disent que, en fait, la nation congolaise, en fait, c'est un agrégat de tribus sans lien et hostiles les unes aux autres. C'est ça une nation? Donc, de quelle nation on parle? Alors, qui est Lumumba pour nous? C'est le martyr du panafricanisme. C'est le martyr. C'est-à-dire, celui qui s'est sacrifié pour que l'espoir devienne possible pour tous les peuples africains et de descendance africaine dans le monde. Donc, vous voyez bien que mes ambitions affichées pour Lumumba ne se limitent pas à un héroïsme supposé ou, je ne sais pas, à une indépendance qui n'a pas existé, en fait. La preuve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est le seul qui a fait trembler Nkrumah. Je dis bien, Nkrumah, à l'époque, était dans une période faste. Et on ne l'appelait pas président, Mr. President. On l'appelait Osadiefo. Ça veut dire le rédempteur. Nkrumah était le rédempteur. Donc Nkrumah est assis comme ça. Et un homme élancé, élégant, dans un costume flottant, grisonnant. Il se lève. Il met le papier dans sa poche. Parce qu'il était un des seuls qui ne lit pas. Il ne lit pas, non. C'est... D'ailleurs, en cela, il est un maître de la parole comme les Africains. Les Africains ont une qualité essentielle. Ce sont des maîtres de la parole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la parole. Et on dit chez nous, quiconque prend la parole prend le pouvoir, en fait. Et il a pris le pouvoir. Et tous les délégués étaient médusés. Ils ont dit, mais ils sont tous. On dit, c'est ça le mystère de l'Afrique. Des génies sortent de nulle part. Donc, il a galvanisé la foule, il a électrisé, il a parlé, il a même utilisé des mots en langue ashanti. Je ne sais pas. En fait, c'est une manière d'accrocher le public tout de suite. L'auditoire, n'est-ce pas? On appelle ça le principe du plaisir. Et les gens étaient, ils ont dit non. Okay. En fait, il y a même des gens qui ont dit, mais c'est dommage que ce gars-là ne soit pas notre président. Parce que là, le rédempteur a un concurrent redoutable. Donc, ce que je veux dire ici, pour terminer, je ne fais pas l'apologie de Lumumba. C'est ce qu'on a écrit sur les réseaux sociaux. Que nous allons faire l'apologie de Lumumba. Nous allons faire de Lumumba une icône et un messie. Alors qu'en fait, Lumumba avait commis des erreurs. Mais comment peut-on hériter d'un pays dominé, écrasé pendant tant de siècles et ne pas commettre des erreurs? Les plus grands hommes, ils procèdent d'abord par tâtonnement. C'est-à-dire, d'abord, on apprend, mais seuls ceux qui ne commettent pas d'erreurs sont ceux qui n'ont rien fait. Ce sont les spectateurs qui nous parlent des erreurs. Mais nous, on considère ce qu'on appelle les mérites des acteurs. Donc, je vais dire ceci de façon claire pour que tout le monde comprenne. Lorsque j'ai choisi ce livre de Tom Kanza, je savais qu'il y avait des livres, comme un livre à succès, De Witt, sur Lumumba, je savais. Mais qu'est-ce qui motive mon choix? Pourquoi j'ai choisi ce livre? J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Il y a Chomé qui a écrit aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur Lumumba. On a même fait des pièces de théâtre sur lui. Hein? Et Césaire a même fait des pièces. Hein? Une saison au Congo. J'aurais pu prendre tout ça. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Un, ce monsieur qui a eu aussi un poste de ministre sous le MZE, Laurent Désiré Kabila, n'a jamais renié son engagement avec Lumumba. Pas nombreux, hein. Il y a beaucoup qui ont dit, non, l'époque de Lumumba, c'était une époque romantique.
aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut aller manger comme tout le monde. Bon, donc ça veut dire que ce livre a été écrit en anglais d'abord. Et on a refusé la traduction de ce livre. Pendant très longtemps. C'est Madame Diop de Présence Africaine qui a dit non. Il faut qu'on traduise ce livre en français. Non pas parce qu'il révèle des choses qu'on ne savait pas, mais parce que non seulement il n'a jamais renié la pensée de Lumumba, que moi je qualifie non pas de nationaliste, mais je dis que Lumumba était un panafricaniste souverainiste, anti-impérialiste. Pas ma position. Vous voyez? Or, certains disent donc c'était un nationaliste. Bon, ce terme est très confus en sciences politiques. Or, j'ai l'habitude de m'imposer ce que j'appelle les lueurs de la clarté démonstrative. C'est en vertu de cette exigence que je dis ceci. C'était un panafricaniste, souverainiste, anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. Il était contre le néocolonialisme. Et il avait perçu les dangers du néocolonialisme. Alors qu'il n'a fait que quelques mois au pouvoir. Donc, on veut juger un homme en disant qu'il est responsable de tous les maux M-A-U-X du Congo, alors qu'il n'a fait que quelques mois au pouvoir. Et ces quelques mois, le bilan dépasse ceux qui ont fait 20 ans. D'accord? Donc ça doit être clair pour tous les Africains. Deuxièmement, c'est un acteur historique. Ça veut dire quoi? Quand tu parles d'un événement et que tu parles comme observateur, commentateur, c'est différent que quand tu assistes aux négociations. Il a révélé comment ils ont décidé d'assassiner le secrétaire général des Nations Unies. Qui est un blanc? Simplement parce qu'il voulait aller voir les sécessionnistes katangais, pour leur dire, vous êtes hors la loi. Donc son avion a été saboté. Et ils l'ont sacrifié. Ils ont sacrifié un blanc. Parce que les intérêts du Katanga étaient tels que non, ce blanc-là ne devait pas aller à l'encontre des plans concoctés sur la comète par ceux qui considèrent que la vie humaine n'a pas de prix. Donc c'est un acteur. Il a dit des choses qui relèvent de ce que lui-même a eu comme mission à effectuer. Et il est arrivé à la conclusion que voici ceux qui ont tué Lumumba en fait. De Witt n'a pas pu dire ces choses. Parce qu'il n'était pas à l'intérieur de l'appareil d'État. Il faut être à l'intérieur de l'appareil d'État pour avoir une appréciation sur ce qu'on appelle la stratégie politique des dirigeants d'un État. Il faut être parmi eux. Hein? Moi, je ne peux pas parler de ça. Puisque j'y étais pas. Mais, grâce à lui, je sais maintenant ce qui s'est passé. Et les interrogations qui étaient miennes et auxquelles je n'avais jamais pu apporter de solution, c'est clair, d'un jour nouveau, à la lueur des témoignages, du témoignage vécu de cet acteur de l'histoire. Troisième chose, c'est quelqu'un qui a toujours considéré que le Congo ne peut pas être une mosaïque de tribus. Ça dit, c'est quelqu'un qui considère qu'on ne sert pas une ethnie, on sert une nation. On ne sert pas une ethnie, on sert une nation. À partir du moment où on sert une ethnie, toutes les autres ethnies se braquent. Et on prépare ce qu'on appelle la guerre civile. Et la guerre civile vient du fait que les hommes ont déjà intériorisé l'idée qu'il faut qu'ils servent leur tribu, leur nation, au détriment du pays. Mais plus grave, ils ont dit on ne sert pas seulement le Congo. Parce que les Gabonais et tout ça, Camerounais, une partie de leur pays faisait partie du Congo. Dans le royaume du Congo. Donc pour nous, notre géopolitique, ce n'est pas le tracé des frontières de Berlin. Notre géopolitique, c'est l'Afrique millénaire. À partir de là, l'Afrique millénaire commence où et finit où? Personne ne peut répondre. L'Afrique millénaire commence dans le bassin du Congo à partir de 200 000 ans avant notre ère, où l'homme anatomiquement moderne apparaît et va éclore dans cette région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut établir la conscience historique africaine, il faut transcender les frontières, transcender même les empires, les tours, pour revenir vers la région des Grands Lacs et le bassin du Congo. C'est à partir de là qu'il faut faire le panafricanisme. Le panafricanisme est tout simplement la conséquence géopolitique du fait que nous avons une communauté d'origine. Tous les peuples africains ont une communauté d'origine. Il faut qu'il y ait le sentiment collectivement vécu de cette communauté d'origine partout en Afrique, au-delà de la conscience tribale. C'est le premier point. Deuxièmement, nous avons une communauté de souffrance. Tous les peuples africains ont été déportés. Il n'y a pas un peuple qui ne peut dire qu'il n'a pas son cousin dans les Caraïbes. Il n'y a pas un peuple qui ne peut pas dire qu'il n'a pas ses cousins au Brésil ou ailleurs. Et des gens qu'il n'a plus jamais vus. Des gens qu'on appelle des peuples nés sous X. Et auxquels on donne des noms étranges comme créoles, etc. Alors que ce sont des nègres africains. Vous voyez? C'est des descendants de déportés africains. Quelle est la vision de Lumumba sur ces gens-là? Lumumba considère que
le substrat culturel du Brésil, c'est le Congo. Ben oui. C'est ça aussi que disait Kibangu. Lorsqu'il disait que les fils dispersés de Congo Katiopa aux quatre points de la planète, ils reviendront à la source. Et quand ils reviendront, le blanc sera noir et le noir sera blanc. C'est-à-dire que c'est énigmatique, mais ça veut dire que le blanc va expérimenter la condition du noir. La condition qu'il affecte au noir. Mais le noir ne se vengera pas. Parce qu'on ne se venge pas contre ses propres fils. Mais le noir va prendre des mesures conservatoires pour que le blanc ne soit plus jamais en capacité de faire la traite négrière européenne. Ni les Arabes d'ailleurs. C'est ça que nous appelons l'Holocauste noir. Le sentiment collectivement vécu d'une communauté de souffrance. Ça, quand vous voyez des juifs partout dans le monde, vous dites la joie. Hein? Ils cessent de rire. Ils cessent de rire. Donc, nous avons nous aussi cette souffrance, cette blessure. Et cette blessure est matérialisée par les Guadeloupéens, les Martiniquais, tous ces gens-là que nous faisons comme si on ne les connaît pas. Et la France nous dit, vous n'êtes pas les mêmes. Troisièmement, le sentiment collectivement vécu d'une communauté d'intérêt. Tous les peuples africains, partout où on va dans le monde, ils sont des citoyens entièrement à part. Ils ne sont jamais des citoyens à part entière. Quand vous voyez les Afro-Brésiliens, au Brésil, ils sont les derniers servis. Partout dans le monde, quelle est la cause de tout ça? C'est tout simplement parce que l'Afrique n'est pas unie et forte. Si l'Afrique était unie et forte, on nous traiterait comme on traite la diaspora chinoise partout dans le monde. Avec respect. Avant, on parlait de péril jaune. Il y avait tout le mépris. Aujourd'hui, on demande, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, acheter telle société française qui est en faillite? Et les Chinois disent, oui, bon, on voudrait d'abord savoir si vous êtes gentil avant d'acheter. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes nègres qu'on nous méprise. C'est parce que nous avons été dominés et nous sommes devenus économiquement insolvables, culturellement indigents, que le monde entier fait un transfert d'agressivité sur nous. Et nous sommes devenus les parias de l'humanité. Donc pour le Mumba, la notion de dignité est plus importante que toutes les autres notions. C'est pour ça qu'il a dit au roi des Belges, nous avons subi ici, pendant tant d'années, les fouets, ceci, cela. Quand il dit ça, le roi des Belges sait très bien que c'est eux qui disaient aux gens de les fouetter. Mais les nègres étaient tétanisés. Pourquoi il a dit ça? On ne va pas nous donner le pain quotidien. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça s'appelle la conscience malheureuse de l'esclave. C'était le cas de Kasavubu et des autres que nous allons citer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous considérons qu'il y a le sentiment collectivement vécu d'une communauté de destin. En fait, nous sommes sur le même Titanic qui menace de couler. Et ce n'est pas parce que tu implore le ciel en disant « Allah, viens me sauver parce que je suis musulman qui est sur le Titanic qui coule. Hein » Et l'autre dit « Non, c'est Jésus. » L'autre dit « C'est Yahvé, l'éternel des armées. » Et on coule tous. Pendant qu'on dit ça, on coule. Tu vois, non? Alors, il faut arrêter de couler. D'abord, il faut déjà prendre les choses en main pour que le bateau soit sauvé. Tu vois, c'est... Bon, donc actuellement, je dis « On coule, tout coule. » Comme ça, je dis. Et c'est pas cool. Voilà comment je dis. Comme je fais du rap maintenant. Bon, donc, ce que je vais dire ici, je vais introduire un grand frère. Un grand frère. Un doyen. Quand nous on dit doyen, il y a la connotation du respect dû à la somme d'expérience acquise. Ce n'est pas parce qu'il est plus vieux, il a des cheveux grisonnants. Parce que même les jeunes en l'ont, la preuve. Vous voyez? Bon, donc c'est parce qu'il a une somme d'expérience qu'il a capitalisé depuis des années et des décennies. Il ne se passe jamais un événement lié à la vie de Lumumba et de ses compagnons que le doyen Jean-Paul Kassendé ne célèbre. Même quand les gens ne l'aident pas, il célèbre. Et j'ai donc été mêlé à ces célébrations parce qu'il a jugé utile de me faire confiance. Et il m'a dit, Kadé, on va aller au théâtre de la main d'or chez Dieu Donné le Banni. Et là-bas, on va parler de Lumumba. Tu vas parler avec ton cœur. Il ne m'a pas dit, dis ceci sur Lumumba. Parle de Lumumba de telle manière. Dis ceci. Non. Il m'a dit, tu parles avec ton cœur. Donc c'est là-bas que j'ai vu qu'en fait, il était le gardien de la mémoire de Lumumba. Lui, là, le doyen Kassendé que vous allez voir dans quelques instants. À ma place. Il était le gardien de la mémoire. Non seulement tous les détails concernant Maman Pauline, les enfants, la vie même de Lumumba, la table ronde de Bruxelles, les grands, le discours d'Accra, le discours panafricain de Kinshasa,
Enfin, nous disons Kinshasa aujourd'hui, c'était pas comme ça avant. Bon, tout ça, il nous a rafraîchi la mémoire. Et il y avait des jeunes qui étaient là qui m'ont dit la phrase suivante. On entendait toujours parler de Lumumba comme de quelqu'un congolais et qui a provoqué des émeutes et la sécession du Congo. Mais nous ne savions pas qui était Lumumba. C'est aujourd'hui que nous savons qui est Lumumba. Et il y a une dame qui était enceinte et elle vivait à Gaz-Lègue. Elle a appelé son enfant Lumumba. Quand j'ai appris ça, ça c'est quelques temps après, j'ai appris ça, j'ai dit, mais comment tu peux appeler l'enfant Lumumba alors que c'est pas un prénom? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de prénom quand on a affaire à de tels hommes. Son nom même est un programme. Donc mon enfant, quand il va grandir, il va dire, c'est qui Lumumba? Et je vais lui dire, voici ce que Jean-Paul Kassendé m'a dit de Lumumba. Pour le reste, va chercher. Donc c'est très important, ce qu'on appelle la mémoire collective entretenue dans les foyers, les maisons. Et ça commence d'abord par le fait qu'on fasse renaître nos héros. Ce petit enfant, c'est la réincarnation de Lumumba. Mais sa mère, certainement, c'est à un prénom chrétien ou à n'importe quel autre prénom. Mais cet événement a bouleversé le destin de la mère et par ricochet le destin de l'enfant. Voilà pourquoi je vais demander au doyen de prendre la place qui est mienne et de nous délivrer son message en tant que grand témoin de l'histoire de ce live d'aujourd'hui, qui, de ce point de vue-là, est un live forcément historique, puisque c'est la première fois que le grand témoin de l'histoire, ou plutôt les grands témoins, ils sont deux, seront amenés à délivrer des messages que j'espère suffisamment poignants pour les générations futures. Oui, merci. Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Paul Kassendé. Je vais m'asseoir. Je vous remercie. Voilà. Je m'appelle Jean-Paul Kassendé. C'est émouvant d'attendre le professeur Kovi Gomes parler. Vous avez bien né, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est émouvant. Très émouvant. Il est difficile de dire plus que ce qu'il a dit. Ça sera mentir sa conscience. Mais parce qu'il me donne l'occasion. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises de réveil. Quand vous allez dans ces églises, surtout où les Noirs prêchent, vous attendrez qu'une chose. On ne parle même pas du diable, hein, rarement. Là-bas, on attrape des sorciers. Oui. C'est les causes de trappes des sorciers. À tel point qu'il y a deux foyers, nous avons perdu deux foyers, les enfants naissent, des choses terribles. Le témoignage est simple, c'est une prise de conscience. C'est l'expérience de l'homme. C'est un incident de parcours biologique que je puisse avoir les sangs de Lumumba. Mais moi, je n'ai pas les sangs de Thomas Sankara. Je n'ai pas les sangs de Martin Luther King. Je n'ai pas le sang de Nelson Mandela. Et j'irai même plus loin, de Jean-Marie Tjibaou de la Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, nous faisons des choses pour elle. Patrice Lumumba, il est né le 2 juillet 1925. Donc assassiné le 17 janvier 1961. Donc, Patrice Lumumba a été assassiné dans sa 36e année. Il faut seulement vous poser une question. 35 ans, Lumumba vivait plus qu'un blanc pendant l'époque coloniale. Je vous dis la vérité. Comme a dit le professeur, c'était un évolué. Les évolués, ce sont ces noirs-là qui étaient considérés comme des blancs parce qu'ils avaient tout. Lumumba était le premier noir, le premier Congolais noir à vivre dans la cité européenne. Même si vous partez à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, vous trouverez qu'il a une villa qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait l'acheter. Parce qu'il a été directeur de la brasserie. Seulement, vous allez vous poser une question, comment se fait-il que le Congo est indépendant à 60 et à 61, des grandes puissances décident à tuer ces jeunes hommes noirs? C'est la question qu'il faut se poser. Lumumba a été jugé par la Cour internationale, je crois que c'est le professeur qui peut trouver l'expression qu'il faut. Vous allez peut-être dire que je ne dis pas ça, mais... Même Jésus-Christ, hein, excusez-moi l'expression, n'a pas été condamné par toutes les grandes puissances de l'époque.
il n'avait qu'un seul juge, je crois que c'est Ponce Pilate. Mm-hmm. C'est la première des questions qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est que il a, en 1958, né en 1925, il a 33 ans, mm-hmm. quand il crée son parti politique. Mm-hmm. Et le 10 octobre 1958, à 60, le Congrès est indépendant. En deux ans, le parti politique d'un jeune homme de 33 ans conduit ce pays en indépendance jusqu'aux premières élections. La Belgique ne pouvait pas cacher le verdict électoral, celui qui a été premier. Et quand vous lisez Patrice Lumumba, ce qu'on m'a dit le professeur, vous savez, Accra, il ne s'attendait même pas à arriver. Ça est, le départ était à l'exposition de 1958 à Bruxelles. Et là-bas, vous savez qu'une exposition universelle, c'est tout le monde. Vous savez, c'est comme la foire de, comment dirais-je, ici à Versailles, tout le monde est là. Mais cette exposition universelle de Bruxelles, que tout le monde peut peut-être consulter dans l'histoire, en 1958, mais tout le monde était là. En grande partie, on a trouvé à Bruxelles des intellectuels noirs dès l'époque. Les professeurs les connaissent, ils sont venus des États-Unis, de partout. Vous comprenez que la base part de la conférence panafricaine. C'est-à-dire en 1956, il y a eu la conférence de Mbandou, où il fallait décoloniser le pays asiatique. Mais à l'époque, il y avait peut-être que quatre pays africains qui étaient indépendants encore. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, je crois que le Soudan. Et on parle seulement de l'Asie. L'Inde avec Mahatma Gandhi, vous comprenez que c'est là qu'on a parlé de l'Afrique. Il dit oui, mais nous sommes ici pour parler que de l'Asie et l'Afrique alors. C'est seulement ce message. Notre chance, c'est qu'en 1950, donc deux ans après, le Ghana accède à son indépendance. Le cinquième pays. Ça ne suffit pas pour parler de la colonisation. Une autre chance, la Guinée en 58, par Sékou Touré, accède à l'indépendance. Il y a six pays. Alors, quand Nkrumah décide à organiser une conférence panafricaine. Mais panafricaine, pourquoi? Comme a dit le professeur, vous savez, quand vous prenez le Libéria, c'est un pays qui a été créé, le Libéria n'a jamais été colonisé. Ce sont ces Noirs qui sont revenus et qui ont créé le Libéria. Donc il y a eu quand même la prise de conscience de ces intellectuels noirs de l'époque qui ont dit, mais il faut faire quelque chose pour l'Afrique, donc il faut décoloniser l'Afrique. Et Nkrumah prend le courage d'organiser la première conférence panafricaine. Donc à 58, Lumumba est à Bruxelles. Et là, ces intellectuels se posent la question, mais s'il vous plaît, il y aura la conférence panafricaine, il n'y a que six pays, mais est-ce qu'il n'y a pas de pays révolutionnaires ou de pays à être indépendants? C'est là que Jean Van Lierde, tous les Blancs ne sont pas racistes, s'il vous plaît, un grand ami de Lumumba qui a écrit la pensée politique de Patrice Lumumba, ben, va dire à Lumumba, écoute Patrice, il y a une conférence panafricaine à Accra, il faut que vous partiez. On lui a donné à ces Blancs, on a remis à ces Blancs l'invitation. Lumumba dit d'accord. Quand Lumumba rentre, il demande l'autorisation aux Belges. Et on lui dit d'aller à la conférence panafricaine. Il a 33 ans. Et comment dirais-je, le Bourguiba, il va trouver le président, non, le roi Mohamed V. Donc il va trouver tous ces grands-là. Mais il est jeune. Il vient d'une colonisation, la Belgique. Ce n'est pas comme à l'époque, la colonisation anglaise qui avait beaucoup de colonies ou française qui avait beaucoup de colonies. Le jeune Lumumba est là comme observateur. Et c'est là qu'on lui cède pour s'exprimer. Et quand Lumumba s'exprime, il faudrait que vous puissiez voir les discours de Lumumba à Accra. Eh bien, Lumumba était le premier homme à parler des choses qui, à un moment, même ceux qui étaient dans la salle, avaient peur. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes hommes? Kwame Nkrumah le porte. Sékou Touré le porte. Tout le monde trouve à Lumumba l'espoir maintenant pour mener les combats de la décolonisation. Lumumba revient à Léopoldville. Le 28 décembre 1958, il va rendre compte aux Congolais de ce qui s'est passé à la conférence de la table ronde. Pour ne pas aller loin, ben, les discours du 30 juin, c'est bien beau, le professeur l'a commenté. Mais il y a un événement qui s'est passé. Parce que la première conférence panafricaine, c'est en décembre 1958, les Congos de Lumumba accèdent dans l'indépendance le 30 juin 1960. Mais il va se passer un grand événement. D'où l'importance de cette table. Lumumba, qui a assisté à la première conférence panafricaine à Accra en décembre 1958, son pays accède à l'indépendance. Deux ans après, Lumumba a compris qu'il n'y a que six pays qui sont indépendants en Afrique. Comment décoloniser l'Afrique? Il faudrait qu'un pays supporte le poids des révolutions
pour contrer la colonisation. Et c'est là qu'est Patrice Lumumba. Il faut lire les discours. Le 25 août 1960, Lumumba inaugure la deuxième conférence panafricaine. Et dans ces discours, quand vous lisez, je crois que c'est le discours, le message qui a conduit Patrice Emery Lumumba à la mort. Oui. Lumumba va aller plus loin. Il dit que l'indépendance du Congo sera le centre des rayonnements de l'Afrique. Ça veut dire la capitale de toutes les révolutions. Et Lumumba n'est pas parti loin. Aussitôt prononcé ce message, aussitôt il passe à l'action. Il fait venir à Kinshasa. Il donne un territoire, je crois que je peux dire l'équivalent de Paris ou bien 10 fois Paris, à l'Union de peuples du Cameroun de Félix Moumié et Oumniobé. S'il vous plaît. Donc vous comprenez que l'Union de peuples du Cameroun de Oumniobé et Félix Moumié, Félix Moumié était à Kinshasa. Lumumba lui dit, vous restez là. C'est la première fois. Il va plus loin, comme a dit le professeur, l'Angola de Neto, qui se battait, effectivement. Lumumba fait d'Agostino Neto son ambassadeur itinérant. Il va prononcer un discours, je ne l'ai pas en tête. Et là, Lumumba va loin, très très loin. Voilà ce qu'est Patrice Lumumba. Nous, nous avons pris conscience. Le Congo que vous voyez, c'est un pays à problème. Mais nos ancêtres, la misère, la souffrance a fait que, vous savez, la France peut être mauvaise. Il y a quelque chose de très riche ici en France. C'est la culture. La preuve est là. Ils sont racistes, mais ils ne viennent pas poser des bombes ici pour dire que pas. Parce qu'ici, nous apprenons beaucoup de choses. Effectivement, vous arrivez en France, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Donc, ici, c'est la diversité. Et j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour Patrice Lumumba. Effectivement, en 64, j'ai 14 ans, quand je m'enrôle dans le premier soulèvement populaire où Che Guevara est venu au Congo pour se battre à côté de Lumumbiste. Ça n'a pas marché. Et quand j'arrive en France, c'était pas facile. Il fallait m'initier. Et depuis le 17 janvier 1988, je n'ai pas lâché Patrice Lumumba en organisant des hommages. C'est pas facile. La preuve pour cet événement, quand vous comptez dans la salle, nous ne sommes pas 20. Mais c'est pas ça qui compte. Alors, aujourd'hui j'ai 70 ans. Mon pays a 60 ans d'indépendance. Je n'ai rien gagné. Le seul gain que j'ai, c'est de parler de Patrice Emery Lumumba. Ce que je peux vous dire, c'est que, à quittant ici, il faut transmettre le message. Faites comme nous. Lumumba est le seul noir au monde. Je vais vous dire quelque chose. Mandela, vous allez peut-être dire, ah, viens là, il raconte quoi. Non. Mandela s'est inspiré en prison du combat de Patrice Emery Lumumba. Écoute, Mandela a fait la prison, c'est à 63, non, à 61, je crois 60, c'est 64. Mandela en prison, quand est-ce que Mandela a eu le temps de faire la révolution pour que l'Afrique d'ici soit ce qu'il est aujourd'hui? Je suis désolé, il faut parler de lui. Il y a un qui s'appelle John Albert Lutuli, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et vous allez voir que Myriam Makeba, j'ai rencontré ici, qui s'est réfugié en Guinée, a eu un petit-fils de sa fille décédée Boga, et elle a donné le nom de Patrice Emery Lumumba à son petit-fils. Et Myriam Makeba m'a dit, Monsieur Kassende, j'aurais pu donner le nom à mon petit-fils de Mandela. Je l'ai donné à Lumumba, pourquoi? En juillet 60, Patrice Lumumba s'est rendu aux États-Unis d'Amérique. Il y avait le président Eisenhower, le président puissant, président de tous les alliés, vous rendez compte? Eh bien, il a mis des dollars, il voulait acheter Lumumba. Je vous raconte une histoire vraie, mais c'est Kizenga me l'a dit. On les redonne des champs, ils reviennent, ils trouvent des mal de dollars. Kizenga dans l'autre pièce, après Patrice, vous avez vu cette pièce la table? Oui, ils ont laissé l'argent. Lumumba, quand il revient, dans les archives, il y en a, Lumumba dit qu'on a voulu m'acheter. Alors, les Américains disent, mais comment, ces jeunes-là, ils s'amusent avec nous? Et ils décident à l'assassiner. Et c'est une grande perte pour l'Afrique et pour les Congo. Je suis Congolais. J'ai vécu ici, je viens de là. Mais je vous dis la vérité. Le seul problème que nous avons à RDC, c'est cette musique. Je ne sais pas si c'est une richesse, c'est ça. Il se passe à Kinshasa que cette ambiance, la musique, les gens cherchent à blanchir leur peau. Ils ne savent même pas ce qui se passe à l'est du Congo. Je vais vous dire une anecdote. En 1992, les Balouba, donc les Kassaïens, comme la Belgique à l'époque coloniale, n'a fait que
comment dirais-je, exploiter les mines du Katanga, parce que c'était la mini-Belgique, alors qu'à l'époque, c'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que tous les territoires congolais riches, plus que même les Katanga. Mais la Belgique a voulu faire du Katanga, c'est que vous avez du Katanga. Donc, les Baloubas sont partis travailler là-bas. Mais à un moment, c'est normal, en 92, il s'est passé un génocide inter-congolais. C'est-à-dire que les Katanga ont massacré à mort les Baloubas. Il n'y a pas une province qui s'est levée. Lumumba n'a pas connu la colonisation, comme a dit le professeur. Non, non, plutôt, Lumumba a connu la colonisation, mais pas les néocolonialistes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème tous, c'est les néocolonialistes. Pour terminer, parce que je vais donner 3 minutes à messieurs qui m'accompagnent, il y a un défi que le blanc, excuse-moi l'expression, quand nous disons le blanc, les colonisateurs, ont lancé en Afrique. Ils l'ont dit au Congo. Quand c'est égal après l'indépendance, ça voudrait dire que vous, les Congolais, vous avez été colonisés 80 ans. Votre sort, pendant 80 ans avant l'indépendance, vous allez les connaître après l'indépendance. Ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, le Congo aura 60 ans d'indépendance l'année prochaine. Quand vous prenez 80 ans moins 60, il nous reste que 20 ans pour lancer les défis. Mais aujourd'hui, en RDC, je ne crois pas que le Congo va lancer ces défis. Il viendra de vous, des autres pays d'Afrique. Lumumba n'est pas mort pour le Congo, Lumumba est mort pour l'Afrique. Je disais ceci. C'est le seul noir au monde qui est héros national dans 36 pays. Il est héros en Inde, en Argentine et au Mexique. Je vous dis la vérité. Patrice Emery Lumumba. Au Congo, il n'y a rien pour Lumumba. Quand vous allez à Bamako, s'il y a des Maliens ici, excusez-moi l'expression, quand vous allez à Bamako, le monument de Patrice Emery Lumumba à Bamako, il n'y a pas photo. Donc le monument de Lumumba Kinshasa plutôt avec celui de Lumumba à Bamako, il n'y a pas photo. Là-bas, vous ne pouvez pas jeter un caillou. Mais moi, je vous dis, je viens à Kinshasa, ce n'est que le 17 janvier à Kinshasa que l'on pense à aller se recueillir sur ces monuments. Les restes, c'est une toilette publique. Je vous parle franc. Donc, la richesse de Lumumba, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup de pays européens, il y a une rue Patrice Lumumba. Même nous qui avons des problèmes avec le Rwandais, ou l'Ouganda, ou le Burundi, il y a même des rues de place Patrice Lumumba. La Belgique qui nous a colonisés, qui est le pays parmi ses assassins, vous voyez ce qu'il fait pour Patrice Lumumba. L'actuel premier ministre de Sao Tomé Principe, il s'appelle Patrice Lumumba. Il l'a dit qu'à sa naissance, son père lui a dit de Lumumba qu'il est premier ministre. Vous parlez de Lumumba, moi je vous dis que je me suis dit, ça fait 32 ans, jour pour jour. Jour pour jour. Le problème, c'est que nous les Africains, Rockefeller a dit que la force de l'avenir, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est malheureux parce que c'est là qui se sacrifie pour Patrice Lumumba. Je n'ai pas voulu vivre à Paris, j'ai laissé ma femme, mes enfants, mes petits-enfants pour aller à Kinshasa. Parce que là, au moins, la jeunesse congolaise a besoin de Patrice Lumumba. Je pense que ce genre d'initiative, il faudrait peut-être, ici nous sommes une quinzaine, que vous puissiez faire partout où vous allez. C'est dommage que ce monsieur, il faut lire Lumumba, il faut lire Patrice Lumumba, son message adressé à la jeunesse congolaise, donc les Africains pouvaient lire ça. L'Afrique a 33 ans, s'il vous plaît. Et je ne sais pas, nous allons continuer. Et vous voyez, comme il a dit, regardez nos âges. Nous avons peur aujourd'hui que nous ne puissions pas parler de Lumumba. Bon, l'Afrique écrira son histoire. L'histoire de Lumumba est en train de s'écrire. Pour terminer, quand Lumumba arrive aux États-Unis, Malcolm X n'était pas ce qu'il était. Malcolm X a changé sa morphologie physique. Quand vous voyez Malcolm X. Voilà. Et Lumumba s'est adressé aux jeunes noirs des États-Unis. Il y a une photo. Professeur, je vais vous donner cette photo. Dans la salle, Patrice Lumumba s'adresse aux noirs des États-Unis. Martin Luther King était comme ça, trop jeune. Il s'est inspiré de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est assassiné en 61. Lui, sa fameuse image, je crois que c'était à 68. Moi, je ne pouvais pas venir ici. Si mon chirurgien me voit, il ne sera pas content de moi. Je n'ai pas honte. Peut-être les gens vont dire pourquoi tu as dit ça. Non, je sors d'une opération de cancer de la prostate à haut risque. Je mens? Non. Je suis là. Je parle franc. Je suis comme un bébé. Vous avez compris ce que je voudrais dire. Voilà. Et quand j'ai eu cette information, c'est ça qui m'a envoyé l'invitation.
J'ai appelé même le professeur pour qu'il me confirme. Pour cet événement a fait le tour du monde entier. Je me suis dit, il faut que je vienne. Ce qui est malheureux, je ne vais peut-être pas abuser. Lumumba n'a pas été assassiné seul. C'est avec ses 10 compagnons, parce qu'ils ont dit, lui, cela ne suffit pas, il faut l'assassiner. Mais je vais vous dire un autre détail très important. Lumumba s'est évadé. Et sa résidence est surveillée. Vous savez pourquoi? Parce que sa fille Christine est tombée malade. Lumumba était à résidence surveillée. Et là, un médecin de l'ONU vient lui dire, écoutez, monsieur le Premier ministre, bon, ça ne va pas, il faut envoyer la petite en Suisse. Et on envoie la fille de Lumumba à Bâle. La petite avait, je crois, un an. La fille est revenue dans un cercueil. On a mis le cercueil de Christine à la résidence surveillée où était Patrice Emery Lumumba. Ça commence à pourrir. Patrice Lumumba écrit au président Kasavubu pour inhumer sa fille au cimetière de la Gombe. Hier, c'était Kalina. Kasavubu lui dit, vous n'êtes pas natif de Kinshasa, donc vous n'êtes pas mon Congo. Il faut enterrer votre fille dans votre village. Lumumba, résident surveillé, envoie son épouse Pauline Opango, maman Pauline, pour aller le 25 novembre 1960 pour enterrer la petite. Là, je vous dis la vérité, je ne peux pas citer le nom des gens ici peut-être, mais pourquoi cacher? Victor Nindaka et des gens qui étaient sous la responsabilité du ministère de la Justice. Il n'y a pas de honte à dire, c'est ce qu'il dit. Il était directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice. Ils vont arrêter Madame Lumumba. On l'empêche de prendre l'avion. Donc Madame Lumumba rentre à la résidence et surveille. Patrice lui dit la petite. Il dit, ah, moi, on m'a arrêté. Lumumba pensait qu'elle a depuis monté de sa fille. On l'a fait monter dans l'avion tout seul. C'est comme ça qu'à résidence est surveillée, Lumumba va décider de fuir pour accompagner son épouse, pour enterrer sa fille. Il y a des courriers et des lettres. Quand Lumumba fuit, Lumumba arrive à une rivière le soir, le bac de l'autre rive. Madame Veuve Lumumba a Roland, le dernier fils de Lumumba, qui a aujourd'hui 55 ans, je crois. Donc Roland avait 4 ans. Alors Lumumba dit, écoute, Pauline vient. Pauline dit, non, Patrice, je viens de perdre un enfant. Vous savez, nous, les mamans africaines, je ne peux pas traverser. Je ne peux pas prendre la pirogue avec le petit. On ne peut pas mourir. Lumumba dit, d'accord. Lumumba traverse. Malheureusement, on avait trahi Lumumba. Il s'est évadé. On a mis un avion en destination. Excuse-moi, Major Pongo, qui était le papa de Pongo Love, la chanteuse. Bon, nous ne sommes pas contre Pongo Love, j'aime sa musique, mais pour vous dire, c'est ça. Alors, on arrête Madame Veuve Lumumba. Et le Major Pongo prend sa crosse de revolver. Jusque là, si vous voyez Roland, il a une poste. Lumumba attend les cris. Lumumba revient pour demander aux militaires, laissez ma femme, c'est moi qui ai fait de vous ce que vous n'avez. Je voulais dire par ceci, que Patrice Lumumba, ce qui nous frappe, et la vengeance que nous pourrons nous permettre, excuse-moi l'expression, c'est que Lumumba est mort, il était en deuil de sa fille. Voilà la cruauté de l'homme noir, s'il vous plaît. Vous voyez que l'assassinat de Lumumba, non, Lumumba était en deuil de sa fille. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rendu, excusez-moi, à la famille de Lumumba, la dupimonté de sa fille jusqu'aujourd'hui. Imaginez maintenant Lumumba, le peloton d'exécution. Mais il pense à qui? Vous êtes de maman. Voilà comment son épouse a vécu des calvaires. Donc, Lumumba n'était pas assassiné seul. Avec 10 de ses compagnons, dont le papa de la chanteuse, Abeti Masekeli. Voyez un peu la cruauté. Ne voyez pas seulement cette histoire, que Lumumba a été assassiné. Non, il fallait un jour qu'il meure. Mais dans l'avion qui a conduit Lumumba à la mort, depuis 10h30 jusqu'à son arrivée au Katanga, Lumumba a été bastonné. Je peux vous révéler ici un détail. Vous tout savez, ce n'est pas Sheila Tembo. Là, on vous dit que Lumumba a été assassiné. Lumumba n'a pas été assassiné à Sheila Tembo. Lumumba a été assassiné à Luano, à l'aéroport, on a fini avec lui. Sauf que là-bas, on l'a amené juste pour l'enfier sous la terre, où ils sont venus l'exhumer pour faire ce que vous savez. J'ai pris peut-être beaucoup de minutes, mais quand on parle de Lumumba, quelquefois, on abuse peut-être par émotion. Je vous présente mes excuses. Monsieur Joseph Nganda vit à Bruxelles. C'est un grand panafricaniste. Je lui ai dit, venez pour faire du sens. Avec votre famille, on ne sait jamais, je peux en sortant mourir, il faut toujours laisser des gens en relation. Il est à Châtillon, Montrouge, hein? Je lui dis que vous venez, parce qu'en Belgique, c'est un grand panafricain. Je ne dis pas qu'il va parler de son histoire, mais il a fallu qu'il soit présent. Et là, je l'ai bien nourri. Son cerveau, là, on l'a bien nourri, il est content. Là, il va partir, s'il s'est passé une maladie, que là, il est guéri. Donc, permettez-moi, Papa Joseph, avec autorisation, qu'il vienne ici pour que j'ai abusé. N'abusez pas.
Je vous remercie. Je ne sais pas si je peux déjà me présenter. Je vais peut-être aussi faire de me présenter quand les deux grands orateurs sont déjà passés. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Il y a un professeur qui nous a beaucoup instruits et puis marqué par son érudition. Et puis il y a mon aîné qui est passé aussi. Je vais dire tout simplement que je suis né de parents lumumbistes. Donc mon père est celui qui a amené le MNC dans les Sankuro, dans une ville qu'on appelle Lusambo. Donc mon père était un fils d'un chef coutumier qui avait été assassiné parce qu'il était résistant. Et une partie de la famille a été déportée dans les Bakongo. C'est un système qui existait à l'époque. Donc mon père a vécu aussi avec cette volonté de lutter contre la colonisation. Voilà pourquoi en 1958, quand Patrice Emery Lumumba a créé son parti politique, il a demandé un laissez-passer, puisque à cette époque-là, quitter Paris pour aller à Lyon, il faut avoir un laissez-passer. Donc il devait chercher un laissez-passer avec des raisons, des prétextes pour s'amener à Léopoldville où le parti est. Et donc il a assisté aussi au grand discours de Patrice Emery Lumumba dont on a fait référence ici. Et c'est un grand discours qui a marqué aussi, qui a donné à Patrice Emery Lumumba de prendre ce que l'on appelle le leadership de la lutte pour l'indépendance du Congo. Parce que c'est la première fois dans la capitale du Congo qu'un homme politique, un leader politique se permet de faire un meeting populaire sans l'autorisation de l'autorité coloniale. Et là, il... Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous, étant aussi jeunes, hein, tout en étant jeunes, nous avons... tout en étant jeunes comme vous, nous avons grandi dans cette idée révolutionnaire. Donc moi, perso de cette lutte pour l'indépendance, puisque mes parents étaient, mon père était partisan, donc quelqu'un qui luttait aussi pour l'indépendance, ma mère était une véritable passionnariat. C'est ma mère qui a mené, mon père ne parlait pas beaucoup, il parlait plusieurs langues, mais c'est ma mère qui a mené les gens vers et qui faisait beaucoup de mobilisation. Nous sommes restés dans cette lutte-là et depuis là, je me suis fait un devoir de créer ce que l'on appelle la bibliothèque de la mémoire du Congo. La bibliothèque de la mémoire, j'ai plus ou moins 3000 livres. Pourquoi? Parce que je voudrais aussi répondre à ce que Lumumba avait dit. L'Afrique doit écrire sa propre histoire. Lutter contre la falsification, puisque nous savons que l'histoire a été toujours écrite par les conquérants. Et donc, au moment que nous accédons à l'indépendance, nous avons ce devoir d'écrire. C'est ainsi que je me suis donné ce devoir depuis que je suis ici en Europe. Je n'ai pas beaucoup de choses, si ce n'est ce livre-là, que je crois que je mets parfois à la disposition des jeunes et je tiens parfois aussi des conférences sur le panafricanisme. C'est ainsi que j'ai été dernièrement à l'Université de Lyon où j'ai essayé nous entretenir avec les autres étudiants panafricanistes sur le panafricanisme, c'est-à-dire présenter ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et surtout, la responsabilité de la nouvelle génération, parce que Lumumba en parle. Lumumba dit, ce n'est pas ma famille qui compte, mais c'est vous les jeunes, c'est vous qui viendrez après moi. Vous avez cette grande responsabilité. Ça, c'est un travail que je suis en train de me donner jusqu'à présent. Et j'ai travaillé aussi dans mes études universitaires sur Nkrumah. Donc à l'époque où Mobutu était encore dictateur, on ne pouvait pas attendre les noms des gens comme Lumumba ou les noms comme Nkrumah. Donc j'ai fait un travail sur Kwame Nkrumah, montrer un peu ce qu'était sa philosophie et aussi l'apport qui pouvait être sa philosophie si cela était mis en pratique par la nouvelle génération. C'est un peu ça, c'est quand on m'a dit de venir ici, de l'accompagner, je ne pouvais pas refuser puisque c'est une grande responsabilité. Pour nous, quand on parle du panafricanisme, on parle de nos héros, nous sommes prêts à être là. C'est ainsi que nous avons lu. Il n'y a pas, ce ne suffit pas seulement M. Félix Moumié ou M. Osende. Nous avons lu aussi sur beaucoup, nous disons, nous avons lu sur Osende Afana, sur Oumniobé. Je pense que la plupart des jeunes n'ont même pas lu ce que Osende Afana avait écrit. Il a laissé un document très important. Mais bon, nous, on le lisait parce que nous savons que nous avons une grande responsabilité et nous devons nous imprégner de ces savoirs. Alors, quand Lumumba dit l'Afrique doit écrire sa propre histoire, il ne suffit pas tout simplement que de lutter contre la falsification. Cela signifie aussi que la nouvelle génération, nous devons être le sujet de l'histoire.
c'est-à-dire sujet de l'histoire, c'est-à-dire, comme on dit, écrire une page d'histoire, écrire, c'est-à-dire devenir des acteurs. Mmh. Et c'est une grande responsabilité, devenir acteur de quoi? Acteur pour amener, parachever ce combat de souveraineté. Mmh. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Parfois, quand on le dit, les gens pensent que c'est romantique, mais ce n'est pas romantique, ce n'est pas de la romance. La lutte, cela demande beaucoup de choses. C'est-à-dire, cela demande aussi de se sacrifier. Ça se demande des sacrifices, et des sacrifices énormes. Parler de Lumumba, parler de nos héros, d'oser sa vie. Et ça, ça demande vraiment un engagement. Ce n'est pas de petits. Quand vous prenez, vous prenez le pouvoir en Afrique, on vous demande d'abord de ne pas parler de ces héros. On va vous dire ça. Il y a même des contrats. On va vous dire vous ne pouvez pas parler de telle personne. Vous ne devez pas parler de telle personne. Comme ça, on va vous donner le pouvoir. C'est ainsi que, comme notre aîné a dit, quand on célèbre Patrice Emery Lumumba, il y a que quelques personnes qui se présentent, puisqu'on ne peut pas s'afficher, sinon alors on ne va pas, on va perdre d'intérêt chez les gens. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver à une autre fois. Je suis en train aussi, personnellement, aussi d'écrire aussi sur Patrice Emery Lumumba. J'ai un titre que je suis en train de préparer un document. Peut-être un jour, nous allons nous retrouver à cette occasion où je vous parle de Patrice Emery Lumumba en long et en large, avec beaucoup de choses. Et je voudrais terminer par une chose, parce qu'on a parlé des révoltes de Batete. C'est une très grande révolte. Donc, au Congo, c'est une révolte qui a duré 10 ans de lutte contre la colonisation. 10 ans. Et les Batete là avaient pris comme engagement qu'aucune fille Tetela ne peut accepter d'entrer en mariage avec un Belge. Oui. Et ça s'est battu contre le Belge comme dans la technique romaine. C'est-à-dire ils quittent le Luabourg, ils ont été déportés pour retourner chez eux avec la garde, avant-garde, et puis il y a des latérales. Ils ont mené des combats jusqu'à faire 10 ans. C'est la raison pour laquelle, en dehors du Congo, vous allez trouver des Batete là qui ont fui, qui ont fui pour aller. Nous avons par exemple Yumbi Opango du Congo, ascendants Tetela. Vous allez dans beaucoup de villes, vous allez les retrouver. Pourquoi? Parce que ce sont des gens. Et d'ailleurs, il y a un grand écrivain congolais qui s'appelle Lomami Chibamba. Lomami Chibamba, les gens pensent que Lomami Chibamba est un Brazzavillois. Parce que c'est là qu'il n'est pas né là. Son père, c'était un déporté Luba que le Batete là avait sauvé lors de la révolte de Batete. C'était une grande révolte. Et quand on a vu Lumumba venir, immédiatement dans leur tête, voilà un autre Mutete, le révolté qui vient pour nous renverser. Voilà, c'est un peu ça. Je voulais un peu ajouter quelque chose sur ce point-là. Pour le reste, on se verra peut-être. Je passerai à une autre occasion. Jeter un coup d'œil, puisque je vois déjà des livres de Cheikh Alpha Diop. Mais je vous demanderai un livre. Je ne sais pas si vous l'avez ici. C'est un livre écrit par Cheikh Alpha Diop. Le titre de l'ouvrage, c'est Barbarie. Civilisation ou barbarie, nous les avons. Voilà. Nous les avons. Plus voilà. Exemples. Une anthropologie sans complaisance. Une anthropologie sans complaisance. Voilà. Merci pour ces contributions. Voilà. Merci pour ces contributions. Disons, qui font de ce live un moment exceptionnel. Et nous allons donc pouvoir continuer avec le Cheikh Kofi Rek Mirer, qui, avec sa longue introduction, nous a mis les pieds dans le plat. Deuxième question? Non, je vais faire un commentaire. Je vais simplement dire que nous devons retourner à l'école de ceux qui ont une vision de l'histoire vécue. Hein? Parce que nous parlons d'histoire, mais en fait, nous prêtons aux personnages historiques qui ne sont plus là pour témoigner des intentions, des pensées, et parfois même nous inventons des actions pour dire que ces personnages, ils revivent à travers notre plume. Et nous disons que nous sommes en fait des scientifiques. Mais en réalité, dans le travail de l'historien, il y a un aspect qui est de l'ordre du... C'est-à-dire, c'est un peu polémique, mais il y a une dimension où on substitue souvent aux images l'imaginaire. Voilà. Donc l'histoire qui a été écrite jusqu'à nos jours sur la révolte des Batetela ou toutes les autres résistances des Africains, c'est en fait l'histoire vue par les Portugais, les Hollandais, etc. Puisque nous n'avons jamais interrogé nos propres parents. Nous n'avons jamais interrogé nos parents. Je n'ai jamais vu
une histoire de l'esclavage, de la traite négrière, écrite sur la base des témoignages des victimes. Nous avons tenté une fois, en utilisant Olaouda Equiano et d'autres. Et les deux interventions remarquables qui ont précédé m'amènent à souhaiter que les générations futures se penchent sur les témoignages des victimes. À ce moment, ce n'est plus la même histoire. Le fait de dire que les vaincus n'ont pas le droit de témoigner, cela revient à dire que seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Et ils écrivent l'histoire qui les arrange. Et l'Afrique n'est pas encore sortie de cette ère. Il y a eu l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Mais, à part 15 auteurs africains, tous les chapitres écrits par des blancs, y compris les chapitres sur le Congo. C'est pour cela que Lumumba, dans un des volumes de l'histoire générale de l'Afrique, a été présenté comme un évolué. Donc quelqu'un qui doit tout aux Belges et qui s'est retourné contre les gens à qui il doit tout. Mais on n'a pas dit que c'est quelqu'un qui a la mémoire de la révolte de son peuple. On a dit juste non, il doit tout aux Belges parce qu'il a évolué. Et on ne tendait pas de la part d'un évolué tant d'ingratitude et tant de haine. C'est pour ça aussi que sa fin est une fin tragique. Et on lui a infligé l'ignominie. Parce qu'ils ont une façon de faire les choses. C'est-à-dire, quand tu les défies, ils font ce qu'on appelle des exhibitions prophylactiques. C'est-à-dire que, il fallait qu'on humilie Gbagbo, qu'on lui enlève les habits, qu'on s'en va. Il fallait qu'on mette Kadhafi à plat pour que les gens prennent des photos. Que voilà. Il fallait qu'on coupe l'oreille de Samuel II en direct, en film. Donc, l'exhibition prophylactique de Lumumba et de ses 10 compagnons procède de cette logique. C'est-à-dire empêcher d'autres Africains qui ont vu ça de refaire la même expérience. Donc, étouffer tout esprit de résistance par la terreur. C'est ça qui s'est passé. Mais, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un exercice particulier, c'est le deuxième exercice. Nous qui n'avons pas cette histoire vécue, nous qui ne pouvons même pas dire ce que ça veut dire Lumumba, nous qui ne pouvons même pas parler de sa famille. Mais nous, on a les effets de son action. On a ça au Ghana, on a ça au Bénin, on a ça au Togo. J'ai un ami qui a été assassiné en pleine rue par Yadema et sa dictature. C'est Tavio Amorin. Tavio Amorin, c'est un ami personnel. Et pendant que moi, j'avais fait le choix de parler de Cheikh Anta Diop, lui, il m'avait dit, bon, est-ce que vous voulez ressusciter les pharaons? Est-ce que vous voulez faire une république pharaonique? Vous voulez quoi? On rentre et on prend le pouvoir. Pourquoi toi, tu parles tout le temps des pharaons? Et en plus, tu dis que tu es panafricaniste. Et le panafricanisme, ça va se faire dans les grandes joutes oratoires du quartier latin. Moi, je rentre. Donc, il est parti. À l'époque, il y a un de nos frères qui vient souvent aux conférences ici, c'était son garde du corps, Ekwe Djagoye. Donc, il est rentré. Il rentre, il me dit, tu dois rentrer. Tu vas au Dahomey, nous on prend le pouvoir, et ensuite on va unifier le Dahomey et le Togo. Et on se met avec le Ghana. Alors, j'ai dit, mais bon, toi tu vas prendre le pouvoir au Togo, mais tu ne m'as pas dit comment moi je dois prendre. Parce que moi je connais les miens. À partir du moment où on te reconnaît une ambition, on ne sait pas comment tu as fait pour être empoisonné. Non, mais ça commence toujours par la colique. Ah, j'ai mal. Et puis c'est fini. Donc je lui ai dit, tu sais, il faut que tu crées au Bénin un centre anti-poison. Et il a tenu parole. Parce qu'il a parlé à la conférence nationale des forces vives de la nation. Il a cité Cheikh Anta Diop, Nkrumah, Sankara, tout. J'ai dit, t'as vu un mauvais parle dans une conférence nationale, comme nous on parle ensemble. Oh, oui, c'est incroyable. Donc avec des références. Et il a mis la chose à un niveau tel que personne ne pouvait le suivre. Donc le peuple a dit, voici notre leader. Donc il a créé le Parti Socialiste Panafricain. Parce que je ne sais pas ce qu'il a avec le mot socialiste. Il aime trop ça. Bon, donc, il a créé ça. Et il dit qu'il est Sankariste. Il est, Sankariste. Il est de Rawlings. Mais son leader s'appelle Lumumba. T'as vu Amorin. Donc t'as vu Amorin, il a fait
la, tellement la vedette qu'on l'a nommé membre du Haut Conseil de la République, qui était donc l'organe de transition, le Parlement de transition, qui était dirigé par Mgr Baudrot. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il était au pouvoir. Et quand il était au pouvoir, il nous a dit qu'il faut nous rejoindre à Lomé. Il faut venir à Lomé. Et j'étais sur la route. Quand on a dit qu'on a assassiné Tamim. Ça dit, si j'avais été avec lui, j'aurais peut-être été assassiné. Parce que ceux qui l'ont assassiné, ont laissé, ils ont fui. Donc, ils ont laissé leur pièce d'identité. Et toutes les preuves derrière. Donc, c'est les gens des Yalema. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la classe politique a dit, Tavio, c'était quelqu'un qui jouait avec la mort. Donc, il a eu son destin. Il est content maintenant, parce qu'il a fait comme son héros Lumumba. C'est une anecdote. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique a aussi une histoire. Et ceux qui ont tué Sankara, ils ont fait des millions de Sankara. Ils ont enseveli encore. Ils n'ont pas tué l'espoir. Ceux qui ont tué Lumumba, aujourd'hui, si on ne fait pas de recherche, on ne sait même pas qui c'est. Tu vois? Qui connaît Munongo qui parle que oui, c'est bien fait, c'est pas nous, etc. On ne connaît pas. Qui connaît ce Belge qui exhibe une dent en disant voilà mon trophée, j'ai la dent de Lumumba? Personne ne connaît ces gens. Ce sont des fantômes de l'histoire. Ils n'existent que par rapport au phare et à l'éclaireur qu'est Lumumba. Donc ce que je vais dire, c'est la version que la jeunesse africaine a des conséquences de l'action de Lumumba. Je dirais plutôt de son sacrifice. De son sacrifice osirien. C'est-à-dire le don absolu de soi, par soi, pour sauver l'humanité. Il n'a pas voulu seulement sauver le Congo. Sinon, on ne parlerait pas de lui aux États-Unis. On ne parlerait pas de lui dans tous les pays du monde. En dehors de Sankara, c'est l'Africain dont on parle dans tous les pays du monde. Quand tu dis Lumumba, ça a un sens. Bon, bien sûr, ils ont enlevé son nom de l'université de Moscou. Ils ont mis l'université de l'entente des peuples, récemment. Je crois que ça doit être en 1992, en fait. Ma mémoire me fait défaut. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Lumumba, pour nous, c'est d'abord une pensée. Et la pensée, c'est une vibration de l'énergie. Donc ça ne peut pas être détruit. La pensée. Donc ce que nous voulons d'abord, c'est que les générations futures s'imprègnent de cette pensée. Être pour nous un homme, un militant qui marche sur les traces de Lumumba, c'est pas forcément être lumumbiste. Parce que le isme là, ça veut dire idéologie. Donc le sankarisme, le nkrumahisme, le diopisme. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la source d'inspiration d'une pensée. Et cette pensée est panafricaine et visionnaire. Elle est, bien sûr, ancrée dans les réalités du Congo. Parce qu'il est impossible d'avoir une pensée qui ne soit ancrée dans un lieu, dans un espace, dans un temps. Et aussi, je dirais, dans le cosmos. Parce qu'une pensée, c'est une vibration de l'énergie dans le cosmos. Voilà pourquoi, tant qu'il y aura des hommes qui aspireront à la dignité, la pensée de Lumumba sera immortelle. C'est d'abord la première chose que nous allons faire. La pensée. La restituer. Deuxièmement, nous allons parler de l'action. Parce qu'une pensée conséquente débouche sur une action. Un homme qui parle, mais qui n'agit pas, c'est tout simplement quelqu'un qui brasse du vent. Et souvent, quand il n'agit pas, c'est parce qu'il a peur. Donc, il fait la neutralité. Il a un pied chez l'oppresseur et un pied chez sa victime. Et il se dit, le jour, le vent va tourner. Du côté de la victime, je dirais que j'ai les deux pieds là-bas. Mais moi, je vois tes pieds, non? Oh, tes pieds. C'est ça qui a amené un philosophe à dire, dans les plus hautes circonstances de l'histoire du monde, il existe les acteurs de l'histoire, et il existe aussi les spectateurs. Mais les spectateurs disent qu'ils ont un problème de conscience et de choix. Donc, ils ne peuvent pas choisir. Entre le mal et le bien, ils ne peuvent pas choisir, parce qu'il n'y a pas de... Il y a un moyen terme. Ce moyen terme, c'est la neutralité. Mais la neutralité n'existe pas dans l'action. Voilà. La neutralité existe dans une pensée abstraite, mais pas dans l'action. C'est la pensée abstraite qu'on appelle isme. Le lumumbisme serait donc la pensée abstraite qui refuse la confrontation avec l'action. Donc c'est tout simplement ce que j'appelle des discussions d'intellectuels, hein, et des discussions de salon. Donc il y a des gens qui sont spécialistes
de la pensée lumumbiste de Salon. J'en ai rencontré beaucoup. Ils m'ont dit, oui, mais tu sais, le problème de Lumumba, c'est qu'il voulait... Il avait l'ego. Donc, il me commence à psychanalyser Lumumba. J'ai dit, toi aussi. Tu sais, tu connais même Freud. Bon, donc, la question centrale, elle est les hommes qui ont allié la pensée visionnaire à l'action sont très rares en Afrique. On les compte sur les doigts d'humains. Mais plus grave encore, les hommes qui ont lié la pensée visionnaire à l'action, mais qui ont décidé de mourir pour ça. Parce qu'ils savaient. Savaient. Donc ces hommes, ce sont maintenant des êtres humains qui n'existent qu'une fois, qui n'apparaissent qu'une fois, tous les 5000 ans, dans le cycle de l'évolution historique. Ça veut dire que nous sommes tellement attachés au plaisir d'une existence faite de privation, d'une existence d'humiliation, que ceux qui font des tels choix, ils ne courent pas les rues. Voilà, ils ne courent pas les rues. Et je peux même dire, il y a de plus en plus d'Africains qui veulent pas ça. Ils veulent vivre, jouir, selon les normes d'un épicurisme primaire. Mais ils ne veulent pas risquer, prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, il n'y aura pas de souveraineté. La souveraineté est un risque. La souveraineté est un risque. Et le confort, c'est de parler sans jamais agir. Et d'agir sans, en voulant éviter le sacrifice. Ce qui est impossible. Car la dimension sacrificielle est intrinsèquement liée à l'action et au choix. C'est pour ça qu'on dit que ne pas choisir, c'est encore choisir de ne pas choisir. Donc lui, il a choisi. La dernière chose, c'est comment faire pour que ce qu'il a fait, cette pensée visionnaire, cette action conséquente, ce sacrifice, comment faire pour que tout ça soit connu dans tous les villages en Afrique? Je ne parle même pas de Cotonou, de Lomé, de Banjul, parce que là-bas, les gens noient leur chagrin dans la bière. C'est la seule industrie qui va. Mais au village, les gens connaissent le plaisir de la production, le contact avec la terre. Et ça ne peut être fait qu'on présente à des populations villageoises, dans leur langue, ce que Lumumba fait. Là, on n'aura pas besoin d'historiens. On n'aura pas besoin de théoriciens. On aura besoin de, tout simplement de ce qu'on appelle les hommes qui font la propagande de terre. Il y a des professionnels. Ce qui a fait que le christianisme a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'ils avaient des propagandistes de terre parmi les noirs. Hein, des curés villageois qui parlent les langues des gens pour les tromper. Mais nous, ils sont où? Ils sont où, les propagandistes du panafricanisme souverainistes? Ils sont où? Je ne les vois pas. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec le frère Narmer, de parler non pas des aspects qui sont liés à la politique intérieure de la RDC. Parce que là, on va parler en fait de choses qui relève de la carrière politique des gens. En fait, ce sont des carriéristes qui se battent au toit de l'âge. Voilà. Joseph Kabila, ils disent qu'il est parti. Bon, il est parti dans sa ferme. Mais de là-bas, il dit, ouais, si vous ne m'écoutez pas, il n'y a pas de gouvernement. Ils ont promis le gouvernement à celui qui tient le cabinet de Tshisekedi, que celui qui va donner le premier ministre va être issu de son... Et Joseph Kabila a imposé le premier ministre. Maintenant, eux, ils disent non. Il faut nous donner alors beaucoup de portefeuille parce que nous avons été frustrés. Donc, on est frustrés par rapport aux postes. Eh bien, Lumumba n'était pas intéressé par les postes. Non, 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 ce n'était pas son problème. Lumumba était intéressé par le sort de l'Afrique dans le concert des nations. L'Afrique ne doit pas être le parent pauvre des nations du monde. L'Afrique ne doit pas être sacrifiée comme une hostie pour le bonheur des autres nations du monde. L'Afrique ne doit pas être un paradis terrestre pour l'homme blanc. L'Afrique doit être le paradis terrestre de l'homme noir. Mais Lumumba n'était pas contre les blancs. On a dit tout. Le problème de Lumumba, c'est trois choses. Un, on a dit qu'il était communiste. Et que c'est dans le cadre de la guerre froide que les éléments communistes doivent être tout. Parce que le communisme menace l'hégémonie des nations du monde libre. J'ai bien dit libre. La deuxième chose, il était nationaliste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne voulait pas des autres. Il voulait sa nation pour lui et les siens. Mais ça, c'est contradictoire que de dire après, il était tribaliste. Parce qu'il a voulu faire la revanche
des têtes là qui avaient fait une révolte et qui avaient été matés et qui aujourd'hui reviennent encore par la fenêtre. Ils n'étaient donc ni communistes, ni nationalistes, ni tribalistes. C'était un panafricaniste souverainiste visionnaire qui avait anticipé les dégâts du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'il avait prévu ce qui arrive au Congo là. Dans tous les discours qu'il a tenus, il n'a parlé que de ça. C'était sa hantise. C'était le vice rédhibitoire qu'il craignait. Deuxième question. Qu'est-ce qui fait de l'auteur de l'ouvrage Thomas Kanza, entre guillemets, un témoin privilégié des événements historiques qu'il relate, s'il faut en croire feu Antoine Gizenga, ce qui en dit long sur l'extrême fiabilité de sa biographie consacrée à Lumumba, Serge Kobi? Il y a un homme qui n'est évidemment pas qui s'appelle Jean Van Lierde, qui a écrit La pensée politique de Patrice Lumumba. La pensée politique. La pensée de Patrice Lumumba n'était pas limitée à la politique. Elle embrassait toutes les sphères du pouvoir. Le pouvoir n'existe que pour les hommes d'action. Car quand tu agis, ça s'appelle la praxis. Tu es en connexion avec les décisions que tu dois prendre pour le bonheur et pour l'intérêt général. Pas pour les intérêts particuliers. Ça, ça relève de l'oligarchie. Mais ceux qui sont pour l'intérêt général, ce sont des gens qui sont pour la démocratie souverainiste. Il y a des Africains qui sont pour la démocratie néocoloniale, que les Blancs eux-mêmes appellent la démocrature nègre. C'est une tragédie. Et il y a ceux qui sont pour la démocratie souverainiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas diriger un pays dans lequel il y a 60% de femmes et il n'y a aucune femme dans ton gouvernement. Aucune femme au Parlement. Aucune femme dans la haute administration. Aucune femme. Ça, c'est d'abord la première chose. Tu ne peux pas diriger un pays où il y a 70% de paysans et aucun paysan au Parlement, aucun paysan dans le gouvernement, aucun paysan... Non, tu peux pas. Parce que la démocratie, dans son essence, c'est le gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Comment tu peux enlever 70% de personnes et tu parles encore de peuple? Tu exclus 60% de personnes, tu parles de peuple. Là, nous sommes dans la variable du nombre. Dans la variable du nombre. Mais la démocratie, ce n'est pas aussi le fait de penser pour l'autre, de décider pour l'autre, alors que toi-même, tu ne vis pas la condition du peuple. Tu envoies tes enfants aux États-Unis, tu as ton compte en banque à Miami, tu as ton médecin traitant qui se trouve en Floride, tu as ceci, cela, et tu es quoi? Grand représentant de l'Assemblée nationale du Congo. C'est pas ça la démocratie. Parce que ça veut dire que toi-même, tu as peur du système de santé. Puisque tu n'as rien laissé pour que les gens se soignent. Or, si on ne se soigne pas, on ne peut pas parler d'exercice de la citoyenneté. Le citoyen, ce n'est pas juste quelqu'un qui va voter de temps en temps. Le citoyen, c'est celui qui exerce son devoir de contrôle du pouvoir. Tout citoyen doit avoir des comptes rendus de la manière dont le pays est géré. Combien de Congolais savent comment le Congo est géré? Combien? Je ne pense pas. Donc ça veut dire quoi? La première sphère du pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Je n'ai pas dit religion. Spirituel. La deuxième sphère, c'est le pouvoir intellectuel. C'est-à-dire, au sens où Gramsci parle des intellectuels organiques du peuple. Pas les gens qui font des livres pour aller les vendre et à la FNAC. Non. Les intellectuels organiques du peuple dont parle Gramsci. C'est-à-dire, des gens qui sont capables de produire des savoirs dans la langue maternelle. Mais eux, ils inversent les choses en disant celui qui parle français, c'est lui qui est machin et l'autre est analphabète. Non. Les analphabètes sont les intellectuels africains. Parce que les intellectuels africains sont une arrière-garde à la remorque de l'Occident. C'est pas une avant-garde éclairée du peuple. Parce que quand tu parles du peuple, tu dois parler au peuple. Or, ils font des discours dans des langues que le peuple ne connaît pas. Et après, ils finissent en disant beauté. Non. Beauté toi-même. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Donc, cette démagogie
Lumumba va la combattre. Va combattre la démagogie. C'est-à-dire ce qu'on appelle le théâtre tragicomique de ceux qui sont des exécutants de l'Occident et qui font mine d'être les présidents du Congo, les ministres du Congo, etc. Et il va dire, moi je vais être votre premier ministre. On dit, mais le roi de Belgique n'est pas content. Il dit, mais le problème, c'est que je ne pense pas selon les états d'âme fluctuants du roi de Belgique. Moi, je pense par rapport à la souffrance de mon peuple. Ah, on dit ça, c'est autre chose, ça. Donc, ça veut dire que Lumumba a donné une première leçon à l'Afrique. C'est que on peut parler de démocratie alors que le peuple est absent de toutes les décisions. Donc, il faut établir un système dans lequel le peuple est le principal acteur. Et ça, ça gêne tout le monde. Ça gêne Kassafoubou, ça gêne tous les autres. Ils sont arrivés là par cooptation. Lumumba sort de prison, il va à la table ronde. Mais s'il sort de prison, c'est parce que les Belges savent que la table ronde ne peut pas prospérer sans lui. Donc à l'époque, déjà, on savait que c'était le porte-parole de son peuple. C'est-à-dire la voix de ceux qui n'ont point de voix. Donc Lumumba sort et on dirait même pas un prisonnier. Parce que si tu es prisonnier, tu fais tout pour ne pas retourner en prison. Il se met à parler en disant qu'il ne craint pas la prison. Il ne craint pas la mort. Ah, les gens ont dit, monsieur lui là, il est fait de quelle chair? Il ne souffre pas. C'est qui cet homme même? Est-ce que c'est un pachydère? Donc le problème de l'Afrique, c'est ça. L'Afrique veut acquérir la souveraineté. Dans le domaine de la spiritualité, ça existe. Dans le domaine intellectuel. Dans le domaine juridique. La souveraineté juridique. Dans le domaine économique et financier. Dans le domaine diplomatique. Dans le domaine militaire et sécuritaire. L'Afrique veut acquérir tout ça, mais avec la vision du monde de son oppresseur. C'est de ça que parle Genet. Jean Genet, dans sa pierre de terre, les nègres. Obligé. Parce que les nègres, jouer les nègres, c'est jouer un rôle. Hein. C'est des jeux de rôle. Donc, à partir de ce moment-là, l'intellectuel africain, c'est-à-dire l'évolué normal. Quand on dit Lumumba a évolué, il faut dire dans quel sens. Il ne faut pas nous dire l'évolué. Parce que l'évolué normal aspire à faire ce que le blanc fait et mieux pour montrer au blanc que lui, il n'a pas d'état d'âme. Son but, c'est l'assimilation. Mais on n'a pas voulu se débarrasser des colons blancs pour mettre des colons noirs. Donc Lumumba n'était pas parmi les colons noirs. C'était un évolué dans le sens où il a utilisé les armes du colon belge pour pouvoir mettre son peuple à l'abri de toute forme de colonisation. Fut-elle nouvelle? C'est pour ça qu'on dit néocolonialisme. Fut-elle nouvelle? Donc, le problème de Lumumba, c'était ça. Et pour nous les Africains, la pensée de Lumumba, nous la résumons de la façon suivante. Il faut libérer le Congo. C'est-à-dire donner les attributs de la souveraineté au Congo pour que le Congo devienne le sanctuaire à partir duquel on va libérer les autres peuples qui souffrent du même système. Donc Lumumba était un des premiers Africains à avoir une vision systémique de la domination occidentale sur l'Afrique. Vision systémique, systémique. C'est très important. Parce que la plupart des Africains ont une vision tribale, une vision subjective. Et que oui, Biya n'a qu'à partir. Hein, depuis que Biya est là, rien ne va. Mais pendant que vous dites ça, la France a déjà prévu plusieurs candidats qui sont partis déjà pour le poste. Et on les a déjà auditionnés. Et la France sait déjà qui fera mieux que Biya. Mais pendant ce temps, vous dites que Biya. Et Biya dit, bon, puisque vous parlez comme ça, ben je reste. Pourquoi? Parce que si Biya s'en va, il sait très bien que tout le monde va se venger. Contre lui. Contre ses biens. Et tout ça. Donc sa femme même dit, meurs là. Protège-nous. Mais si on donnait l'amnistie à Biya, si on lui donnait les moyens en lui montrant qu'il y a une vie meilleure après le pouvoir, Biya va partir. Mais s'il part, ça finit, c'est pas fini. Le système est là. Et le néocolonialisme fonctionne au Cameroun mieux qu'ailleurs. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir au Congo. Quels sont les premiers actes qu'il a posés? 1.
il a commencé à dire que il faut prier pour Jésus. Il s'est mis à genoux devant des pasteurs alors que tu es président. Or, les pasteurs sont tout simplement des marchands d'illusions paradisiaques. Et eux-mêmes, ils vivent dans des limousines. Ils sont bien. De temps en temps, ils disent qu'ils guérissent tous les maux de la terre. Mais ce sont eux qui créent les maux. Je parle des pasteurs là. Donc ça veut dire quoi? Il va maintenant devant le mur de lamentation à Jérusalem avec la kippa. Toi, président du Congo, tu ne mets même pas une peau de léopard. Tu mets la kippa pour te lamenter même pourquoi? C'est toi qui as crucifié Jésus. C'est quoi ces histoires-là? Donc ça s'appelle des actes symboliquement attentatoires à la dignité du peuple congolais. Tout le monde nous voit ça. On dit, mais quelle est cette histoire? On dit, non, Félix, il faut qu'il fasse cette prière. Il a même un espace dans son bureau où il prie. Hein? Que Jésus, tu viens quand? Donc, le problème de l'Afrique, c'est ça. On amène des gens qui représentent un peuple, mais qui considèrent que c'est l'autre peuple qui doit lui donner la lumière. Ça s'appelle l'esclavage mental. C'est tout. Ce n'est pas... Je connais bien Tshisekedi. Puisque quand on allait à Bruxelles, eux, ils étaient là pour leur papa. Donc, on ne peut pas dire que ce sont nos ennemis. Mais nous sommes obligés de juger par les faits et les actes. Et actuellement, le monde entier voit cette image qui n'est pas bonne pour le Congo. Parce que c'est un grand peuple qui mérite de grands dirigeants. Voilà notre position. Même Kabila, il ne faisait pas ça. Kabila, quand on dit qu'il est rwandais, là, il ne faisait pas ça. Comme si un Rwandais ne peut pas diriger l'Afrique. S'il sert les intérêts du Congo. Mais il est on est panafricaniste ou pas? Quelle est cette histoire que chaque président n'est pas de chez nous? Il est d'une tribu ailleurs? C'est quoi ça? Que Ali Bongo Odimba est un Biafrain. Et alors? Si c'est un enfant de Biafra qu'on a sauvé pour diriger le Gabon, ce que nous lui reprochons, c'est de brader les ressources du Gabon. Ce n'est pas d'être Biafrain. Voilà notre position. Donc, à partir de cette considération, il dit que lorsque le Congo va être le sanctuaire pour libérer les autres pays africains, que ce soit l'Angola, c'est pour cela qu'il était proche du MPLA. Mais il était beaucoup plus proche aussi du FNLA. Parce que c'est Frantz Fanon, théoricien de la révolution algérienne, qui a appelé le dirigeant du FNLA, Holden Roberto, pour lui dire ce que le FLN, le Fonds de Libération Nationale de l'Algérie, a fait. Vous pouvez le faire pour l'Angola. Le Fonds de Libération Nationale d'Angola. Nous avons le document signé Fanon pour dire il faut libérer l'Angola. Parce que l'Angola et la RDC, si on les libère tous les deux. C'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement il a financé, Lumumba a financé les Angolais, mais Lumumba a financé les Camerounais, comme le doyen l'a dit. La direction opérationnelle de l'Union des populations du Cameroun, celle qui n'a pas encore été décimée, avait pour domiciliation le Caire, Accra et la RDC. C'est Madame Moumier même qui me l'a dit. Parce que c'est moi qui ai présenté son livre par rapport à l'assassinat de son mari. C'est moi qui l'ai présenté sur une vidéo. Les Africains ont-ils vendu leurs frères entiers? Anatomie d'un contentieux historique. Et quand j'ai appris la mort de Madame Moumier, les conditions dans lesquelles elle est morte, ça m'a fait quelque chose. Parce que depuis, je ne regarde plus cette vidéo. Elle était à mes côtés comme ça. C'est ma maman. On a parlé de Sende Afana. Il devait beaucoup à la RDC. Ce sont les dirigeants du Congo Brazza qui l'ont livré. Sende Afana a été assassiné le 15 mars 1966. Et il avait écrit L'économie de l'Ouest africain. D'ailleurs, un livre qui est inachevé. Mais ses travaux de thèse, ces travaux de thèse ont été récupérés et brûlés. Par qui? Par les services de Fauchivé, la police politique du Cameroun. Comprenez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette pensée économique pouvait servir l'Afrique. Ils ont brûlé. Après avoir décapité l'homme, amené son crâne pour aller donner à sa famille des actes de cruauté qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer de la part d'un animal. Nous sommes même dans l'infra-animalité au moment où je parle. Ensuite, le Congo sanctuaire de la souveraineté de l'Afrique. Mais le Congo a aussi
et on l'oublie souvent chez Lumumba, un rôle dans l'industrialisation de l'Afrique. Lumumba savait très bien qu'à partir du Congo, on pouvait électrifier toute l'Afrique. D'ailleurs, les dirigeants congolais ne s'intéressent pas assez à l'importance du barrage du Grand Inga. Ils préfèrent travailler avec EDF, GDF. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'industrialisation de l'Afrique est un problème pour Lumumba. Parce que, en stratégie économique pure, un pays est sous-développé lorsqu'il est bloqué structurellement et il ne peut pas s'industrialiser. Et Lumumba avait d'abord pensé une industrie agroalimentaire. Donc pour lui, tout le Katanga, jusque toutes ces régions, c'était pour ça. Des fermes, des coopératives solidaires panafricaines, il avait eu cette vision-là. Et il disait souvent à ses ministres, et c'est Thomas Kanza qui le rapporte, il disait souvent à ses ministres, j'aurais voulu que vous soyez tous, issus de filières professionnelles et technologiques, au lieu d'être des intellectuels littéraires. Parce que aujourd'hui, le Congo a besoin qu'on passe à la reconstruction. Et la reconstruction passe d'abord par une industrie agroalimentaire. Ensuite, il faut maintenant utiliser les énergies nouvelles. Donc, il s'intéressait aux travaux de Abdou Moumouni du Niger, qui a écrit l'énergie solaire dans les pays africains. Il avait un projet d'énergie solaire à Lumumba. Nous avons les documents. Parce que il savait que le soleil, tout le temps, il y a ça au Congo. Donc à partir de l'énergie solaire, tu peux maintenant avoir du chauffage et tu peux distiller l'eau. Le problème, c'est l'eau potable. Purifier et distiller l'eau. Il pensait même à la façon dont on peut utiliser le désert. Parce que Lumumba dit que, d'après les connaissances des Chinois, le Sahara, tu creuses 2000 mettre en dessous, c'est de l'eau. Comment se fait-il qu'il y ait toutes ces nappes d'eau et que l'Africain ne peut pas faire sortir cette eau pour transformer le Sahara en un jardin? C'est ce que les Israéliens ont fait. C'est dans le désert qu'ils font les kibbutz. Donc, tous les projets de reconstruction économique de l'Afrique, de Lumumba, ont été sacrifiés. Je veux bien que politiquement, on ne soit pas d'accord avec un homme. Mais on n'a pas le droit d'annihiler tout ce qui a été conçu pour reconstruire un pays, si on aime ce pays. Donc j'en conclue que tous ceux qui ont dirigé le Congo après lui, à l'exception peut-être de Laurent Désiré Kabila, je dis bien peut-être, ils n'aimaient pas le Congo. Parce que tu ne peux pas aimer ton pays et laisser ce pays riche avec des populations qui sont dans cet état. Quand nous sommes partis de l'aéroport Njili jusqu'au chez notre ami à Kinshasa là-bas, eh bien, on a vu la détresse de la population. On ne peut pas. C'est un crime. C'est un crime. Je dis, non seulement ils n'aimaient pas leur pays, mais ils étaient criminels. Parce que ce n'est pas seulement celui qui te tue qui commet un crime. C'est celui qui n'assiste au crime, encourage le crime et n'agit pas contre le criminel. C'est non-assistance à peuple en danger qu'on assiste au Congo. C'est grave. Et donc, je veux dire par là que la question la plus importante que nous allons aborder après, c'est que Lumumba disait, il est impossible d'industrialiser le Congo sans qu'il y ait un plan d'industrialisation générale de l'Afrique. Et c'est ce qui est dans le livre de Cheikh Anta Diop, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il y a un chapitre capital intitulé Le plan d'industrialisation de l'Afrique noire. Et c'est le Congo qui est au centre de ce plan. Vous allez voir. Cheikh Anta Diop a disséqué le Congo. A dit, ici, il faut faire de la pêche. Les poissons doivent nourrir tout à fait. Ici, il faut faire ceci. Élevage. Ici, il faut faire ça. Ici, il faut faire ça. Et quand tu vois que c'est exactement ce que ce pays-là avait comme potentialité. Mais les potentialités font du Congo le paradis terrestre. On parle de paradis. C'est un scandale géologique. Mais ce qui manque, c'est quoi? Passer des potentialités à réalisation des projets. Réalisation des projets. Et là, c'est un problème de budget. Où va le budget du Congo?
j'écamine tout ça. Là. Mais quand il y a... ça va où? Si les gens font du diamant, les enfants creusent à la main dans des conditions indignes, n'est-ce pas? Ça va à Anvers. Et donc, il y a là-bas une filiale diamantifère qui utilise cet argent pour acheter des armes et revenir au Congo faire des guerres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un dirigeant congolais voit le monsieur là qu'on appelle Dan Gertler. Dan Gertler, c'est qui? C'est quelqu'un qui est multimilliardaire. Mais aujourd'hui, il n'est pas inquiété alors qu'il y a un nouveau président. Mais il vient d'où? Il vient de Sierra Leone, où il vendait des armes. Donc, quand les Sierra Leone se sont entretués, c'est Dan Gertler qui dirigeait l'armement. Il travaillait avec Charles Taylor et Faudès encore. Ce passé, même les Congolais l'ignorent. Parce qu'il n'y a pas de solidarité entre le peuple sierra lyonnais et le peuple congolais pour qu'on puisse dire, voici le criminel qui vient chez vous. Prenez des mesures conservatoires. Donc, nous disons que la première chose que l'Afrique doit faire, c'est la réalisation du plan de l'industrialisation du Congo. Ça doit déboucher sur ce qu'on appelle un plan Marshall africain. C'est-à-dire que les Africains doivent mettre le budget pour industrialiser le Congo. Si on ne le fait pas, tout le reste ne pourra pas. Parce que tout le reste, c'est des périphéries du Congo. Tout le reste, c'est les périphéries du Congo. Même l'Afrique du Sud ne peut pas être viable économiquement sans le Congo. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Cyril Ramaphosa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que panafricanistes, nous inviter au chevet du Congo malade pour relever le Congo. D'abord, c'est une question d'honneur. D'abord, c'est une question d'honneur. Et les Haïtiens l'ont fait. Parce que quand Lumumba a été victime de boycott et qu'on a dit au cadre, retirez-vous, les Haïtiens se sont portés volontaires. Parce que si, effectivement, nous ne redressons pas la RDC ne peut pas aller au secours d'Haïti. La RDC, c'est le poumon de l'Afrique qui a été perforé. Donc, il faudrait qu'on respire. Et donc, je dis que la thèse la plus importante que nous défendons, c'est que le panafricanisme est quasiment absent des préoccupations intellectuelles de l'élite congolaise actuelle. Le panafricanisme est absent. Voilà pourquoi quand nous voyons des frères qui font ce travail de terrain, nous devons leur faciliter aussi la tâche. Ils doivent être en mission. Qui dit mission dit que nous devons leur donner un budget pour faire ce travail. Ils ne doivent pas le faire d'eux-mêmes comme il l'a fait à Lyon, comme il le fait ailleurs, comme il le refera après la sortie de son livre. C'est un devoir. Être panafricaniste aussi, c'est être solidaire de celui qui entreprend pour sauver le peuple africain. Il faut être solidaire. Donc, c'est ça que nous avons compris. Et dans ce livre, je termine sur ça, il y a une phrase qui permet de savoir pourquoi lui, il a écrit ce livre. Je ne vais même pas aller plus loin. L'image du Lumumbiste associée à l'universitaire Thomas Kanza est très forte. Pourtant, si depuis la mort de Lumumba jusqu'à la fin des années 1960, Kanza resta effectivement attaché au courant du nationalisme radical, il n'intégra, pour ainsi dire, jamais leur directoire. Et son orientation politique n'empêcha pas Cyril Adoula, le premier ministre qui succéda à Lumumba à la suite du conclave de Lovanium en août 1961, de rester un de ses proches, où Moïse Tshombe, revenu au pouvoir en 1964, de le solliciter pour faire partie de son équipe gouvernementale. Thomas Kanza devint ministre puis ambassadeur de la République démocratique du Congo à Stockholm, sous Kabila père, puis fils, 1997-2004. Il fut contacté à cette époque dans l'espoir de le faire parler de Lumumba, mais en vain. Ainsi, en mai 2001, la commission belge d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Lumumba sollicita son témoignage. Il refusa. 4 semaines avant sa mort subite à Oxford, cependant, il participa au séminaire tenu les 23 et 24 septembre 2004 au Woodrow Wilson International Center for Scholars de Washington DC et y apporta une information inédite, capitale. Sans doute la révélation la plus intéressante qu'il fit à cette occasion, selon l'appréciation de Wes, l'organisateur de ce conclave, concernant la fuite de Lumumba de Léopoldville, une fuite qui allait mener à son assassinat. Il déclara. Donc, c'est en référence aux précisions que le doyen nous a données.
Je cite et je finis sur ça. Lumumba fut assassiné par une mauvaise appréciation de la situation. Une mauvaise appréciation de la situation. En effet, après l'élection de Kennedy, nous, en parenthèse, les Marocains, les Guinéens, tous les pays du groupe de Casablanca qui étaient favorables à Lumumba, étions décidés à maintenir Lumumba en vie, au moins jusqu'au 25 janvier 1961, car Kennedy était disposé à arriver à un arrangement avec Lumumba. Il avait été convenu que Dag Harmagjol permettrait à Lumumba d'être en résidence surveillée contre son gré, protégé par les Marocains des Ghanéens. Ce qui voulait dire qu'il fallait passer par les Marocains et les Ghanéens pour atteindre Lumumba. Nous avions supplié Lumumba de rester chez lui en résidence surveillée jusqu'au 25 janvier au moins. Car s'il était effectivement toujours en vie, à ce moment-là, une réunion capitale du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra une fois que Kennedy aurait pris les rênes de la Maison Blanche et le Parlement serait à nouveau convoqué. Et si le Parlement congolais venait à renouveler sa confiance au gouvernement Lumumba, il reviendrait certainement en tant que Premier ministre. Car le peuple lui était favorable. Si le Parlement lui refusait, il deviendrait tout au moins chef de l'opposition. Mais Lumumba, Dieu sait pourquoi, décida de quitter subitement sa résidence et de faire le voyage de Kinshasa à Stanleyville. Dieu sait pourquoi. Quand il a été arrêté, je suis personnellement intervenu. J'ai parlé à Dag Harmagjol, c'est le secrétaire général de, qui a été lui-même assassiné à New York. Sa réaction fut, Thomas, l'accord était qu'il reste dans sa résidence. Comment avez-vous fait, vous Congolais, pour que Lumumba sorte de cette résidence et soit livré à ses pires ennemis? En fait, le doyen a dit que c'est parce qu'il a perdu sa fille. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant des réalités du pays, c'est-à-dire quelqu'un qui décide que sa sécurité, sa vie n'est pas plus importante que aller faire son devoir de père quand il a perdu sa fille. Chez nous, c'est l'enfant qui doit enterrer le père. Ce n'est pas l'inverse. Donc, Lumumba n'était même plus en état de penser à la lutte. Il pensait à sa fille. Vous voyez? Si on était chinois, Lumumba ne sortait pas. Parce que le chinois, c'est celui qui a appris ça, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre. La guerre suppose que tu ne dois pas avoir d'autre centre d'intérêt que ta sécurité. Parce que si tu n'es pas en sécurité, le processus tombe. Parce que ça repose sur quelques hommes qui ne surgissent qu'une fois 5000 ans dans le cycle de l'évolution historique. Mais moi, je me pose la question, en tant qu'historien, est-ce que Lumumba a eu raison de sortir par rapport à ce qui est arrivé à sa fille? Ma réponse est oui. Bien sûr. Ma réponse est oui. Parce qu'un homme politique n'est pas un robot. Il a aussi le droit au deuil. Et il a le droit de faire son deuil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lumumba était isolé. Lumumba n'était pas épaulé. Lumumba était sanctuarisé, bunkerisé. Mais il n'était pas suivi. Parce que le MNC, le mouvement national congolais, est arrivé jusqu'à mettre son homme clé comme Premier ministre. Mais il n'y avait pas de service de renseignement et de contre-espionnage. S'il y avait un service de renseignement et de contre-espionnage, Lumumba n'aurait même pas été mis en résidence surveillée. Lumumba pouvait être mis à l'abri à Accra. Vous savez, dans le combat, parfois, il ne faut pas se dire qu'il y a peau de fer contre peau de terre. Et moi, je vais dans l'obstacle. Non. Il faut savoir faire ce qu'on appelle un repli tactique. Dans un combat, De Gaulle a fui. De Gaulle a fui. Nous avons même les photos où il s'est déguisé en vieille femme. Pour fuir. Mais après, quand De Gaulle a commencé à parler, il a dit que non, au nom de la France libre, je fais ceci. Mais tu es un fuyard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une raison de fuir. Oui. Oui, on a compris. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne ferai pas d'appréciation morale sur le combat de Lumumba. Je m'en tiendrai strictement aux faits et à l'enchaînement causal des faits. C'est pour cela que nous allons entrer maintenant dans la question des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que Lumumba a fait pour qu'on lui fasse cette biographie que j'ai choisie parmi beaucoup de biographies. D'autres sont même mieux écrites. Mais j'ai choisi ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une thèse qui est en jeu. Une thèse centrale. Troisième question. Quelle est la thèse centrale défendue
Pardon, doyen. Merci, doyen. Pour l'honneur, merci. Bon, veuillez nous excuser. Oui. Il habite trop loin. Oui. Je crois que j'avais beaucoup de choses. Mmh. Et nous le ferons ensemble. Je suis encore là jusqu'à fin novembre. D'accord. Merci beaucoup. Merci, doyen. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Voilà une petite intermède pour permettre à la troisième question d'être posée. Elle est celle-ci. Quelle est la thèse centrale défendue par Thomas Kanza dans son ouvrage fondamental pour analyser et comprendre les événements tragiques du Congo au début des années 60? Serge Corbi. Bonsoir. Je lis page 14 et le préfacier. Qu'il ne faut pas oublier, c'est Jean Omasumbo Tonda, dont je parlerai à la fin. Parmi les personnages historiques qui ont suivi Lumumba jusqu'au dernier souffle. Thomas Kanza, qui fréquentait déjà le monde politique et était aguerri, était en mesure même de prédire certains événements. Thomas Kanza, que tu vois là, l'auteur. Ainsi en est-il, par exemple, de l'absence de Kassavubu à la conférence panafricaine d'Accra de décembre 1958. Conférence qui révéla Lumumba au monde. Dans plusieurs écrits se rapportant à l'histoire du Congo, la version courante retient que l'absence de celui qui deviendrait le premier président du Congo indépendant était due au fait que ses documents sanitaires n'étaient pas en ordre. D'où le refus de l'administration coloniale de le laisser quitter le Congo. Prétexte ou non, le 13 juillet 1958 déjà, soit près de 6 mois avant la tenue de la conférence, Thomas Kanza avait depuis Cambridge prévenu Jean Van Lierde. Je cite, « Ne t'attends pas à ce que Kassavubu y aille. N'oublions pas qu'il est bourgmestre. Comme je vais tout de même rencontrer Kassavubu à Léopoldville, ainsi que tout le groupe de l'Abaco, autant vaudrait que j'y aille et j'y consacre un fascicule après la conférence. Fascicule qui sera répandu par l'Abaco à la majorité des Congolais. Thomas Kanza ne fut pas invité à la réunion, mais cela n'empêche que sa prédiction se révéla parfaitement exacte. D'après une lettre du 9 décembre 1958, émanant du gouverneur général Henri Cornelis au ministre du Congo belge, qui lui avait demandé des explications à ce sujet, Kassavubu avait en fait refusé d'en demander lui-même l'autorisation. Et Cornelis d'ajouter, je n'ai donc rien eu à lui refuser ou octroyer, puisqu'il avait déjà pris lui-même sa décision. En fait, Kassavubu n'a jamais été un panafricaniste. Kassavubu était un tribaliste. Quand on dit Abako, c'est le peuple qu'on appelle Bakongo. Lui, au départ, il ne voulait même pas la nation congolaise, en fait. Il ne voulait pas l'indépendance. Bien sûr, il y a eu beaucoup de controverses. Puisqu'il y a des gens qui disent qu'ils sont disciples de Kassavubu. Et aussi ceux qui sont héritiers putatifs. C'est-à-dire sa fille, qui a eu un grand rôle politique. Et bien, ces gens-là disent que, en fait, Kassavubu, c'est le père de l'indépendance. Le véritable père de l'indépendance. Je suis désolé de devoir rappeler ici que l'historien, il travaille à partir des faits et non pas des fantasmes. C'est eux, il n'a jamais été pour l'indépendance. Jusqu'à la table libre de Bruxelles, il était contre l'indépendance. Il voulait une autonomie pour la région qu'il croyait être la région des Bakongo. Pour lui, les Bakongo, c'est un peuple qui est au-dessus des autres peuples. C'est pour ça que même Congo, c'est leur nom. Parce que les Congo, les Bakongo, sont un peuple qui n'est pas du niveau des autres. C'est à eux qu'appartient le royaume du Congo. Et toute l'histoire de ce pays est due au Congo. Et cette vision, excusez-moi, ça s'appelle une vision régionaliste ou tribaliste. Je suis désolé. Donc ça veut dire que, deuxième chose que j'affirme ce soir, il n'y aura pas de démenti, personne ne peut démentir. Sauf bien sûr les faiseurs d'illusions de Facebook. C'est que Kassavubu a lutté contre tous ceux qui voulaient l'indépendance. Kassavubu a lutté contre tous ceux qui voulaient l'indépendance. Donc, il luttait contre Lumumba. La vérité, c'est ça. Et Kassavubu n'était pas content. Parce que président de la République, en vertu de la constitution belge qu'ils ont imposée là-bas, c'est un poste honorifique. Il n'avait pas plus de pouvoir que la reine d'Angleterre. Il avait un pouvoir décoratif et cosmétique. Le véritable leader, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre, il n'était pas Bakongo. C'est dommage, il n'était pas Congo. Il était là. Et c'est une minorité en fait. C'est une minorité dans le pays. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Kassavubu n'avait pas une vision unitaire du Congo. Il n'avait pas une vision même de l'indépendance du Congo. Troisièmement, il n'avait même pas une vision de l'unité de l'Afrique. Puis il n'avait même pas de vision de l'unité du Congo. J'ai dit des vérités sur Fouéboigny. Je dis la même chose pour Kassavubu. Je ne suis pas là pour caresser et plaire aux nègres. Je suis là pour que les jeunes générations prennent acte des raisons qui nous ont conduits au bord du précipice et qui ont entraîné une démission généralisée de la prétendue élite nègre. Voilà ma position. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse des éloges. Je suis là, au contraire, pour que les nègres me pilonnent. Parce que je sais très bien que c'est parce qu'ils sentent dans leur chair que cette vérité blesse qu'ils m'attaquent. Et je serai déçu de ne pas être attaqué demain. Donc ce que je dis, c'est ceci. On ne peut pas faire d'un homme qui ne voulait pas de l'indépendance, qui n'avait pas une vision unitaire du Congo, qui ne voulait même pas l'unité africaine, puis on vient d'apprendre qu'il a refusé d'aller à la conférence panafricaine. Il ne peut pas être le père de l'indépendance du Congo. Donc voilà le premier mythe que je tiens à détruire sur la base des documents historiques. Et ceux qui défendent ce mythe devront faire l'effort de produire des documents contradictoires. Deuxième mythe que je vais détruire ce soir. On dit que Mobutu était l'ami et le compagnon de Lumumba. Joseph Désiré Mobutu était un sans-sol, c'est-à-dire quelqu'un qui bricolait pour trouver à manger. Je dirais un indigent sans-sol. Et c'est le comble pour un indigent. Donc son profil intéressait les services secrets belges. Parce que tout nègre qui n'a pas résolu les contradictions alimentaires et pécuniaires devient une proie pour les services secrets. Voilà pourquoi on a prétendu qu'il était journaliste. En fait, il écrivait des piges. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire sur Mobutu. C'est que c'était un homme qui avait une intelligence mise au service de son ego. Oui, parce qu'il faut reconnaître. S'il avait mis cette intelligence au service du Congo, Lumumba serait toujours président. Il serait premier ministre. Il ne serait pas mort comme ça. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, Lumumba lui a tout confié. Ses secrets, ses problèmes personnels, son argent, tout. Et il y a Thomas Kanza qui rappelle ceci. Lumumba lui a dit, tu peux venir chez moi à n'importe quelle heure. J'ai donné la consigne, on t'ouvre la porte, tu dors, tu manges, tout ça. La seule chose que tu ne dois pas faire, tu ne touches pas ma femme. Sinon tu prends tout. Mais, comme les nègres ont l'habitude de le faire, il pense que l'autre, il est ton frère. Nous sommes le seul peuple à appeler des inconnus frères, sous prétexte qu'ils ont la peau noire. Des inconnus, des mystérieux individus. Celui que tu ne peux pas suivre pour savoir où il dort, avec qui il dort, où il mange, etc. Tu dis que c'est ton ami. Il me semble que le président Gbagbo a fait des choses comme ça aussi. Que Solo Guillaume, c'est son petit. Qu'il ne va jamais faire n'importe quoi. Solo Guillaume. Donc, le problème d'abord, c'est que les Africains se débarrassent de ce que j'appelle le sentimentalisme. La politique est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un problème de sentiment. Parce que quand tu conquiers le pouvoir, ta vie matérielle change. Donc, comme les nègres sont dans la pauvreté, sont dans la misère même, tu vois. Donc, la seule manière pour eux, vite, de changer leurs conditions matérielles, sans mériter ce changement, c'est la politique. Voilà pourquoi les nègres les plus médiocres rentrent dans la politique. Voilà également pourquoi je ne suis jamais rentré dedans. Car la médiocratie existe. Mais nous cultivons la méritocratie nègre. Donc voilà la raison pour laquelle nous disons que quelqu'un qui dit que je vais faire carrière politique, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot. Ou il ne veut pas retourner à son corps de métier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique un moyen de s'enrichir. Alors que la politique n'est pas faite pour s'enrichir. La politique est faite pour servir le peuple. Il y a trois catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui servent le peuple. Politiciens, je veux dire. Il y a ceux qui se servent du peuple pour se servir. Et ceux qui ne servent rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas de principe. Tu vois? Ils le voient. C'est un opportuniste. L'opportuniste, c'est un être qui n'a pas de principe. Il va à celui qui gagne.
Tu vois, avant, il était Sarkozy. Après, Sarkozy a perdu contre Hollande. Il a dit maintenant qu'il est filloniste. Fillon. Après, Fillon l'a eu dans le Fillon. Après, il a dit maintenant, moi, je suis en marche. Et demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit il faut démarcher, il va être dedans. C'est ça, les nègres qui font la politique à Paris. Qui est même de la politique aérienne nègre. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe d'avoir des gens qui sont des médiocres et qui savent que le mandat du peuple va leur donner de l'argent facile. Vous voyez ? Eh bien, c'est tous ces gens-là qu'on a pris pour combattre Lumumba. Ils ont dit Lumumba, c'est un idéaliste, un rêveur. Les Blancs veulent nous donner de l'argent. Lumumba dit non. Qu'il faut prendre l'argent pour faire des centres de santé. Pourquoi ? C'est nous qui sommes responsables des maladies de tous ces nègres. Donc, il faut d'abord que l'Africain sache que quelqu'un qui dit qu'il est panafricaniste, il ne peut pas dire publiquement que Paul Biya est panafricaniste. Quelqu'un de normal ne peut pas dire ça. Il y a un problème. Parce que pour lui, panafricaniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, de temps en temps, faire ce qu'on appelle le haussement d'épaule devant ton maître. Tu vois? Ah, je ne suis pas content parce que Paris ne m'a pas bien servi. Donc je vais aller voir Washington. Donc je vais aller voir ceci. Non, c'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une position, un principe qui veut que tu aies un engagement sans limite jusqu'à la création des États-Unis d'Afrique. Sans limite. Car Cheikh Anta Diop nous avait averti. Les limites d'un engagement panafricaniste, c'est un engagement sans limite. Si tu aimes ta femme, fais pas ces choses. Dis à ta femme qu'elle va manger la vache enragée. Elle va souffrir. Parce que l'état des nègres fait que dans un premier temps, vous allez souffrir. Et si la femme dit, je ne veux pas souffrir, dis-lui, je souhaite que tu trouves un mari qui soit à la hauteur de ton goût pour le plaisir. Parce que moi, je suis un sacrifié. Combien de femmes vont aller avec un sacrifié? Combien de femmes? Il faut s'appeler Isis. Il faut s'appeler Winnie Mandela pour cela. Donc, la question centrale est celle-ci. Pauline Lumumba, c'est une sacrifiée. La femme de Lumumba. Rappelez-vous la lettre qu'il a écrite à sa femme au moment où c'était fini. C'est dans cette lettre qu'il y a un passage. L'Afrique écrira un jour sa propre histoire. Ce sera magnifique. Bon. Donc, ce que je veux dire ici, pour que chacun comprenne mon propos, c'est que la thèse centrale de ce livre, c'est que Patrice Emery Lumumba était un agneau dans une meute de loups. Un agneau dans une meute de loups. Des loups qui chassent en meute. Pourquoi? Parce que la Belgique a formé des requins et des loups. Et c'est eux qui gangrènent la classe politique. Je n'ai pas voulu tout à l'heure citer certains noms. Même le doyen, il a du mal. Il dit non, je ne veux pas parce que leurs enfants sont encore là. Je ne veux pas tout ça. Mais le tribunal de l'histoire ne souffre pas de condamnés qui soient anonymes. Oui. Le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire. Parce que nous disons ceci. D'abord, je vais être très précis. Étienne Tshisekedi, Wam Lumumba, personne, était donc ministre de l'Intérieur de Mobutu Sese Seko, Koukou Ben Loua Zabanga. Et, à ce titre, il a assumé, Étienne Tshisekedi, l'assassinat du Premier ministre pendu dans un stade. Et il a fait des vidéos pour dire que oui, il méritait la pendaison. Ces vidéos existent. Mais comment on l'appelle maintenant? Le père de la démocratie. Étienne Tshisekedi Wam Lumumba, que tu vois là. Le père de la démocratie. C'est le père de l'actuel président. Donc maintenant, tout le monde lui trouve des vertus. Parce que c'est quand même le président, son père. Eh bien, j'ai une très grande dévotion pour nos doyens. Mais lui-là, il était un des acteurs de la dictature de Mobutu. Il n'a jamais été précurseur ou père de la démocratie. Nulle part. Je parle d'Étienne Tshisekedi Wam Lumumba, qui est mort et qui est resté longtemps, plusieurs années, là-bas en Belgique, parce que les Joseph Kabila et son fils n'avaient pas encore trouvé un accord politique. Et il a été enterré. Des millions de Congolais sont venus pour dire que le Messie est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple congolais est amnésique. Le peuple congolais est amnésique. Tshisekedi s'est félicité publiquement de la mort de Lumumba. Étienne Tshisekedi Wam Lumumba, dans des documents
qui sont à la disposition de n'importe qui cherche la vérité. Quant à ceux qui nient même les documents, hein, je les appelle tout simplement des plaisantins et des joyeux lurons. Ils ne m'intéressent pas. Ceux qui nient même les documents. Donc, le problème de ce capital que nous posons ici, c'est on dit, bon, ils ont dit, mais est-ce que les lives là, où il y a le binôme Corvi avec Namer, est-ce que ce n'est pas fait pour détruire les vieilles idoles de l'Afrique? Pourquoi il attaque Oufoué? Oufoué, c'est l'homme de la paix. Oufoué, c'est ceci. Et puis, il nous a laissé une belle cathédrale dans la brousse. Hein? Cathédrale qui est fréquentée par les lézards et les margouillas. Hein? Donc, je dis ceci. Il faut d'abord que nous procédions, notre génération, à ce qu'on appelle la désacralisation des fausses idoles. Ce sont des fausses idoles. Ce sont des fausses idoles. Et le peuple est amnésique. Parce que le peuple est comme une femme. C'est pas gentil pour les femmes. Mais je sais pas toutes les femmes qui sont comme ça. Le peuple est comme une femme qui a été abusée et qui attend n'importe qui comme prochain pour lui mentir encore. C'est comme ça. Et l'autre vient et dit, ah, celui qui m'a précédé, il a fait quoi? Mais comment tu as pu même aller avec lui? Et après, tu vois que lui-même qui parle là, hein, quand il commence à monter en scène pour donner son spectacle, c'est un comédien et un sadique. Comédien et un sadique qui vit en tant que gigolo dans le cadre de la gigologie. Donc, le problème qui est posé, c'est que les politiciens ont abusé le peuple congolais. Abus de confiance du peuple congolais. Il n'y a pas un politicien au Congo qui ait succédé à Lumumba, qui a été à la hauteur de la grandeur de ce peuple. C'est tous des nains politiques et des lilliputiens. Donc, nous disons que l'histoire du Congo est à réécrire. Parce que l'histoire contemporaine du Congo, c'est une histoire écrite par une association de malfaiteurs pour justifier leurs méfaits et leurs forfaits. C'est une histoire. Et le supplicié, c'est toujours le peuple congolais. Toujours le peuple congolais. Qu'on massacre au Kasaï, qu'on massacre partout. Parce qu'il y a au Congo une guerre de prédation économique qui est menée contre le peuple congolais et tous les peuples de la région des Grands Lacs. Je ne soutiens pas Kagame, mais je dis que Kagame a dit toutes les églises là, fermez-moi ça. Et on a dit, comment? La liberté de conscience, tu en fais quoi? Il a dit non. Ce sont des gens qui créent le désordre social et moral. Qu'ils me montrent leur diplôme de théologie, tous ces nègres loquaces et bavards qui parlent de Jésus-Christ. Qu'ils me montrent leur diplôme de théologie. Donc, à ce moment-là, des Congolais qui ont dit que Kagame est un dictateur. Ils ont dit non, il s'est attaqué à Jésus. Donc il n'est plus un dictateur, c'est un diablotin, un diable. Vous comprenez? Donc, notre position est claire. Un homme qui se servit l'Afrique, il doit être forcément, à cause du chaos qui règne en Afrique, il ne doit pas être ce que Obama a dit d'être à Accra. Obama a dit aux gens, il faut des institutions fortes, mais les hommes n'ont pas besoin d'être forts. Moi je dis, il faut des institutions fortes, dirigées par des hommes forts. Et ces hommes forts doivent avoir trois qualités. Un, incorruptibilité. Deux, amour atavique de la patrie nègre. Trois, le sacrifice et le don de soi. Et bien ceux-là, au lieu d'une démocratie chaotique, c'est comme ça que j'appelle, une démocratie chaotique. Comment une démocratie est chaotique? Chaque fois qu'il y a une élection, il y a une crise post-électorale et il y a des morts. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Pourquoi il n'y a jamais d'élection dans la paix? Parce que personne ne croit à ces élections. Sauf le FMI, la Banque mondiale, qui dit, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de crédit. Donc, quelle est la position de Covid? Il faut donc une période de transition au cours de laquelle nous allons passer des intérêts privés de l'oligarchie à l'intérêt général du peuple. Cela s'appelle donc une période, si vous voulez, d'autocratie éclairée. Et qui peut diriger ça? Un dictateur bienfaiteur, un bénévolent dictateur. Et ce dictateur bienfaiteur doit être Kamit. C'est-à-dire, il ne doit pas aller devant le mur de lamentation pour se lamenter. Hein? Il ne doit pas
faire des actes de bassesse spirituelle. Je pèse mes mots. De bassesse spirituelle. Il y a même des présidents, dès qu'ils sont présidents, ils vont directement voir le pape. On dit pourquoi? On dit parce qu'ils veulent laver leur péché. Mais lave ton péché dans le village. Chez toi, t'as pas de village. Donc le problème des Africains, c'est tout simplement qu'ils recherchent tout le temps que le blanc les voit comme des gens qui sont fidèles. Qui sont, excusez-moi, je vais utiliser le mot, j'ai hésité, qui sont des larbins, larbinisme nègre. Des spécialistes en larbinisme. Et c'était le cas d'un président du Bénin qui nous a fait honte ici. Il est venu, il a dit que on a tué des gens. Et donc, il est Charlie. Il se met à pleurer à chaud là, devant les caméras. Les gens disent comment? Mais la dignité de la fonction présidentielle, pourquoi il pleure enfin? Les Français ont dit non, ces nègres sont capables de le. Et à un moment donné, le journal satirique a mis sa photo en train de chialer. Et ils ont mis président Charlot. Je suis Charlot. Je ne suis pas Charlie. Je suis Charlot, espèce de Charlot nègre. Tu vois? Et lui, il ne sait pas qu'on a insulté tout le Bénin. Tu vois? Donc, le problème, c'est que un président doit d'abord être quelqu'un de digne et de fier. Quand tu vois que c'est l'allure princière. Déjà, même sa manière de marcher, tu sais qui est le président. Il y a des présidents africains, ils viennent devant les gens, ils saluent un président africain, ils le saluent comme ça, il est tout droit. Et puis, dès qu'il arrive devant le président français, il se met comme ça. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? C'est des réflexes de chien battu. Donc, le problème qu'on pose, le problème de fond que nous posons, c'est qui a remplacé Lumumba depuis au Congo en matière de dignité? La dignité de la fonction présidentielle. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on doit abdiquer la dignité de la fonction présidentielle. Un président, c'est l'incarnation d'une institution. Ce n'est pas un homme qui vient comme ça et fait le goujat en public. Déjà, même tu les vois, tu sais qu'ils ne sont pas des présidents normaux. Ils entrent à l'Assemblée générale des Nations Unies. On dit le président du Bénin. Il monte à la tribune. Et tout le monde chuchote. Ah, le mendiant, il va encore demander l'argent. Et eux-mêmes, en tant qu'on dit ça, ils disent rien. Ils disent, honorable collègue, c'est un honneur pour le Bénin. Mais quel honneur, mais est-ce que tu connais l'honneur? Sans honneur, sans dignité que tu es. Donc, le problème de fond, il est là. Il faut qu'on désacralise les idoles et les fausses idoles. Ensuite, il faut les remplacer par des gens qui sont dignes. Quand ils partent, ils parlent de toutes vos histoires aux Nations Unies. Ils parlent de Akhenaton. Ils parlent de Cheikh Anta Diop. Ils parlent de Marcus Garvey. Ils disent jamais ça. Jamais ils ne mentionnent nos grands hommes. Jamais ils ne mentionnent nos grandes victoires. Jamais ils ne mentionnent les moments qui font de nos peuples des peuples héroïques. Ils sont toujours dans l'histoire. Hein? On a faim. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis tant de jours. Il y a pas... Et c'est chez ton continent que tout le monde vient voler. Et toi, tu ne manges pas. Donc tu mérites même qu'on te tape. Comment toi, tu as toute la richesse, tu ne manges pas, hein? Donc le problème, il est là. Un, dignité. Dignité. L'Afrique a besoin de dignité. La reconquête de la dignité de nos ancêtres bâtisseurs d'empire. La première chose qu'il faut faire. Deux, souveraineté. Pas développement. Pas co-développement, souveraineté. Toi, sécurité. Je devrais même mettre sécurité avant. Sécurité. Et enfin, autorité. Parce que tu dois être autoritaire. Tu dois être autoritaire. Quand tu diriges un pays africain, le pays qui est du continent berceau de toute la civilisation humaine, quand on te voit, celui qui est en face, le président Macron, tout ça là, il se dit non, 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 attention. Attention. Ce nègre. Donc, c'est ça que le président du Ghana a fait. Il lui a dit même une phrase à Accra là-bas. Il lui a dit, vous dites, monsieur le président, que vous n'étiez pas né quand il y a eu l'esclavage. Que vous n'étiez pas né quand il y a eu la colonisation. C'est bien ce que vous avez dit, monsieur le président. Ok, je vous le conseille. Mais monsieur le président, l'argent qui a permis d'investir dans la Banque Rothschild, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient? Bon, c'est dans la Banque Rothschild que vous avez eu les moyens qui vous permettent aujourd'hui d'être imposé sur la fortune, avant d'effacer même l'impôt. Par contre, vous demandez aux gens qui sont retraités à 700 euros d'accepter des taxes. Hein? Et vous voulez dire que vous voulez l'équité
et le développement pour le Ghana. Occupez-vous. La France. On a dit, ouais, si c'était une époque là, on le tuait tout de suite. Et Macron le regarde. Le regard de Macron. C'était quelqu'un qui avait peur. Et qui avait metté à la haine. Et après, Macron lui dit, mon ami. Alors qu'il dit, c'est méchant. Ennemi nègre. Mais en fait, il dit, mon ami. Et le président du Ghana répond, monsieur le président, pas mon ami. Tu comprends? Donc le problème, il est là. Tu verras pas un francophone faire ça. Mais les Lumumba, ils parlent comme ça au blanc. Sankara parle comme ça à Mitterrand. Il lui dit, monsieur le président, aidez-nous à nous passer de votre aide. On dit, non, on va t'aider même si tu veux pas. Méchant petit garçon. Bon, donc, je dis que la question clé, elle est là. La souveraineté. Tous les autres problèmes, c'est des faux problèmes. Voilà. Je vais vous énumérer trois faux problèmes que Lumumba a battu en bref. Le premier faux problème, c'est que les cartes bleues de l'ONU vont venir assurer la sécurité du Congo. Il a dit non. Non. Il veut des pays d'Afrique. Le Ghana de Nkrumah va envoyer des troupes. Machin, voilà. On a dit. Après, il a dit, il ne voulait même pas les troupes seulement ghanéennes et guinéennes. Il veut une armée continentale pour être au Congo. Une armée continentale, Lumumba, que tu vois. Deuxième contentieux, faux problème. On a dit oui, il n'y a plus de devises parce que le franc belge, les Belges ont dit qu'ils ne vont plus donner ça au Congo pour payer les fonctionnaires. Lumumba dit, monsieur, une bonne. Ça nous permettra d'avoir une monnaie à nous, qu'on va faire avec le Ghana, qu'on va faire avec le... Or, le discours officiel des Belges et des Américains, c'est oui, c'est bien, faites votre monnaie, maintenant que vous êtes indépendant. Mais officieux, on dit qu'il faut l'assassiner avant qu'il ne fasse la monnaie. C'est comme ça qu'ils sont. J'ai dit que le locodium, fondamentalement, il est haineux, il est teigneux. Et j'ai ajouté un troisième. Peut-être que quelqu'un peut me rappeler. Hargneux. Hargneux. C'est comme ça qu'il est. Mais j'ai ajouté à la fin, il est un fumiste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dis le contraire de ce que tu penses. Et tu penses le contraire de ce que tu dis. Quel être humain peut être en accord avec sa conscience en faisant la ruse sur sa propre pensée? Et Lumumba sait qu'il ment. Quand il lui dit de la voix est libre pour faire ta monnaie, Lumumba sait qu'il pense le contraire. Son péché. Le doyen n'a pas dit à la table ronde qu'il a faite. Ce n'est pas une table ronde, c'est la grande réunion panafricaine. Chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Lumumba? Il a dit à partir d'aujourd'hui, je veux que les Ghanéens viennent étudier chez moi parce que je n'ai pas assez de cadres. Les Belges n'ont pas formé assez de cadres. Et je veux aussi que les Ghanéens se marient avec les Congolais. Vous tous qui êtes dans la délégation ghanéenne, à chacun sa Congolais. Les gens ont dit comment? Ce n'est pas le rôle d'un président de dire ça. Il dit parce qu'un jour, il va falloir qu'il y ait plus de peuples congolais ou de peuples ghanéens, mais des peuples d'Africains transnationaux. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, il y a plein de belles Congolaises qui sont là. Et les Belges font n'importe quoi. On va les prendre. Elles vont aller au Ghana là-bas. Elles vont parler à Chantilly. C'est ce genre de spontanéité que Sankara faisait aussi. Tellement ils aiment les nègres. Tellement ils aiment les nègres. Donc, à un moment donné, cette intimité, cet amour pour les nègres confine même parfois à ce que j'appelle l'intimité. Ils sont dans l'intimité avec le peuple. Donc quand Lumumba se met à parler, hein, le peuple est en transe. Hey, depuis quand on ne nous a pas parlé comme ça avec cet amour, dis donc. Tu vois? Bon, donc, Lumumba voit quelqu'un dans la foule. C'est une vieille dame. Les chaussures, pas de chaussures. Mal habillée, tout ça. Lumumba arrête le discours. Elle l'appelle. Venez à la tribune. Elle vient à la tribune. Lumumba dit que ses collaborateurs n'ont pas fait leur boulot. Comment une maman peut être dans cet état? Et on dit qu'on est en train de libérer le Congo. Qui est le ministre des Relations Sociales? Donc on l'appelle. Tout de suite, il faut que la maman soit habillée. Tu l'emmènes avec toi. Sinon, on ne vient plus jamais au Conseil des ministres. Si elle n'est pas habillée, si j'apprends pas que la maman est habillée. Et il faut lui donner de l'argent pour qu'elle n'ait plus de problème d'habit. Parce que chaque Congolaise qui est dans cet état, c'est une insulte pour la dignité du Congo.
Vous imaginez? Hein? Donc, ce que je dis, et que vous pouvez comprendre aisément, c'est que le livre, il faut le lire passionnément. Et pour le lire, il faut que vous saisissiez les thématiques. Et là, je vais aller au pas de charge. Je serai obligé de fournir des indications générales. Je ne pourrai plus approfondir parce que il est impossible de tenir le temps en ayant ce souci de l'approfondissement. Quatrième question. Quelles sont les principales thématiques explorées et développées dans Ascension et Chute de Patrice Lumumba, Serge Kovi? D'abord, la première chose que Lumumba a expérimentée, c'est la solitude du pouvoir. Là, nous sommes à la page 167 et suivant. La solitude du pouvoir. Ça veut dire que vous exercez le pouvoir. Ça veut dire que vous avez le contrôle sur des corps constitués de la nation. Ça veut dire la police, la gendarmerie, les renseignements et tout. Mais vous vous rendez compte que tous ceux qui dirigent par délégation ces corps constitués, ils travaillent pour l'ennemi. Parce que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir avec votre propre armée. Vous êtes obligé de faire un compromis avec l'armée. Or, l'armée, c'est une armée coloniale. C'est-à-dire, leurs instructeurs sont belges. Ceux-là même qui veulent assassiner Lumumba, c'est eux qui dirigent la police, les renseignements et tout au Congo. C'est d'abord le premier paramètre. Donc, il se rend compte que, au moment où la grande conférence panafricaine, tous les chefs d'État arrivent, qu'est-ce qui se passe? Des émeutes dans la rue. Provoquées par qui? Par l'armée elle-même. Donc des mutineries, des éléments de l'armée se mettent, veulent montrer au président du Ghana, à tous les présidents, qu'il n'a pas le contrôle de la situation. Et c'est les Belges qui sont derrière. Et s'il chasse les Belges qui sont à la tête, hein, les officiers qu'il va mettre sont pires que les Belges. Parce qu'ils veulent montrer aux Blancs qu'eux, ils sont avec la Belgique. Et parce que toutes leurs maisons sont en Belgique. Tous leurs biens sont en Belgique. Comment veux-tu que du jour au lendemain, ils se retrouvent à patrie? Parce que sa vraie patrie, c'est la Belgique. Le Congo est un endroit où on vient prendre de quoi manger pour remettre blanc. Voilà la vérité. Donc, si l'armée elle-même ne contrôle pas la situation, si la police ne contrôle pas la situation, la gendarmerie, il y a des mutineries et des désordres. Et bien, c'est à partir de cette mutinerie qu'on a commencé le complot contre Lumumba. Et plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? C'est Mobutu qui est derrière. Mobutu qui est venu la veille dans la maison de Lumumba, a dormi là. Donc Lumumba lui a lu son discours. Lui a dit, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il ne faut pas que je modifie ça, ça, ça? Mobutu dit, tu es notre héros. Attaque! Attaque! Parce que le problème est de fond, c'est que quand quelqu'un voit que les rapports de force ne te sont pas favorables, il te dit, ne va pas au contact. Il faut faire attention. Eux, ils disent, va! Pourquoi? Parce que Mobutu était donc un agent de la sécurité belge et qui venait d'être recruté il y a 5 jours par la CIA, par le chef d'antenne de la CIA. Donc Mobutu était au courant d'un plan pour empoisonner Lumumba, pour qu'il ne fasse pas ce discours-là. Ce plan, c'était de mêler du poison à son dentifrice. Or Mobutu allait dans sa salle de bain. Et on me dit, ce même Mobutu, son corps est au Maroc. C'est pas bien. Il faut lui faire des funérailles nationales. Funérailles de quoi? C'est pas des funérailles qu'ils veulent dire. C'est des cochonailles. Quoi? Mobutu, quand il a fui, son avion s'était lancé et les gens tiraient. Parce qu'ils n'ont pas eu de sol. Les soldats ont dit, tu nous lâches et tu fuis. Mobutu a été enterré, il y avait 8 personnes. 8 personnes. À la fin, Mobutu dit que... Mobutu, il est parti dans une maison pour montrer sa puissance. Il dit qu'il est bantou. C'est pour ça qu'il dit coucou, Bendou, Azabanga, des trucs comme ça. Que c'est l'authenticité. C'est la seule chose qu'il a fait de dire. Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher 2 jumelles. Et dit, voici mes épouses. 2 jumelles. Et il dort au milieu. Il dit à l'une, tiens, enlève-moi les machins de la terre. L'autre, caresse-moi le pied. Hein? Et pendant ce temps, lui-même, il est là, le chef bantou. C'est quoi ces négreries? Hein? Donc, ce que je veux dire, il faisait ménage à 3. Avec des sœurs! C'est quoi ça? Donc, vous voyez bien que son rapport aux femmes montre déjà qu'il ne respecte pas nos mères.
Voilà, déjà. C'était simple. On n'a même pas besoin de faire des schémas. Ouais. Vu le nombre de Chinois qu'il y a, le dirigeant chinois pouvait avoir 100 000 femmes. Mais il a dit une seule. Pourquoi? Parce que cette femme incarne l'institution de la première dame. Et il ne prendra jamais une femme qui n'est pas chinoise. Par contre, Mobutu, il a pris un Belge pour épouser une de ses filles. Et ce Belge, c'est un agent. Vous comprenez? Et il était content. Il dit, oh, les enfants sont beaux, hein, les petits métis, là. Et tu fais l'authenticité en même temps. Donc, ce sont des gens qui sont incohérents, mentalement incohérents et inconséquents et inconsistants. Donc, le problème qui est posé, là, c'est que si Mobutu aimait son peuple, déjà, il allait faire en sorte que Lumumba soit à l'abri. Parce que Lumumba lui donnait de l'argent, même sur son propre salaire, en plus du salaire de Mobutu. Mobutu était présent quand on enchaînait Lumumba. On lui tirait les yeux, on lui tirait. Et Mobutu regardait, il regardait de loin. Et il disait, c'est pas possible. Pas possible. C'est pas un nègre, ça. C'est pas un nègre. Hein? Donc, à un moment donné, le problème qui est posé là, c'est que l'Afrique n'a pas la maîtrise de la mentalité de l'homme nouveau et la femme nouvelle qui va faire les États-Unis. Ces hommes n'existent pas. Même moi qui suis là, je suis en train de parler. J'ai même la chance. Il y a même des gens qui pouvaient même arriver pour dire que toi tu as fait ça, Covid tu as fait ça. J'allais dire quoi? Je me... Quand tu as honte, toi. J'allais dire quoi? Mais il y en a qui, au lieu de se taire, parlent encore et se fâchent. Donc le problème, il est là. Mobutu, je vais vous dire ce que Mobutu a fait. Et je demande, oui, je demande aux frères de bien analyser ce que je vais dire. Mobutu a été le cheval de Troie des assassins de Lumumba. C'est lui qui donnait tous les renseignements sur les faits et gestes de Lumumba. Quand Lumumba appelait le président du Ghana, appelait le roi du Maroc, le roi d'Égypte, il rendait compte de toute la conversation. Et il était chargé de quoi? De la sécurité de Lumumba. Donc j'ai noté l'absence de contre-pouvoir pour donner des renseignements sur Mobutu. Mobutu était en fait... C'est là que nous avons péché. Mobutu était celui qui, non seulement renseignait l'ennemi sur Lumumba, mais donnait des faux renseignements à Lumumba sur l'ennemi. D'accord? Et en même temps, il préparait l'assassinat de Lumumba avec l'ennemi, tout en étant avec lui dans sa famille tous les jours. Comment voulez-vous que l'Afrique s'en sorte avec des gens comme ça? Non mais, c'est par rapport à la maths, c'est quoi ce comportement? Bien. Donc, lorsque nous avons compris, parce que je vais dire en résumé, pourquoi ils ont réussi à faire refermer le piège sur Lumumba jusqu'à le tuer. Après, je vais dire qui l'a tué. Les circonstances. Et à la fin, je donnerai même un détail que personne n'a jamais donné. À savoir. Qui a demandé à un noir de revendiquer que c'est lui qui a violé? Et le noir a revendiqué. Et quand il a revendiqué, après on l'a tué lui-même. Oui. Donc, le problème c'est que Lumumba, lui, dit indépendance. Mais les noirs ne voient pas le contenu. Indépendance, c'est tous les attributs de la souveraineté. C'est suicidaire pour la Belgique. C'est sa seule colonie. Parce que on parle d'État congolais, mais c'est un État colonial belge. C'est dirigé par des Belges. Les Noirs sont juste sur la scène pour faire le décor. Des marionnettes. C'est la vérité. Si on ne dit pas cette vérité qui fait mal, l'Afrique ne changera jamais. L'Afrique ne changera jamais. On n'a jamais vu des remèdes sans diagnostic. Il faut dire ce qui ne va pas en Afrique. Quels sont les dysfonctionnements? Patin. En Afrique, moi. C'est ça notre devoir. Nous ne sommes pas seulement des gens qui devons écrire des ouvrages d'histoire. Nous devons guérir les nègres de leur névrose et de leur psychose. Nous faisons de la négothérapie. C'est ça notre travail. Donc, à partir de ce moment-là, nous disons que tout le reste, c'est ceci. La solitude du pouvoir. En fait, l'impuissance. Vous voyez? Thomas Kamza, voilà un bel homme comme ça. Un soldat nègre qui ressemble à un Nubien. L'auteur. Cette photo se trouve à la page 226.
Il faut vraiment regarder le regard, la complicité. Par contre, il y a une photo où vous voyez Mobutu en train de regarder Lumumba. Hein? Comme un prédateur regarde sa proie. C'est-à-dire, le regard sans dire, tu vas voir. Là, c'est l'amour, la tendresse, la sincérité. Thomas Kanza. Voilà les hommes. Voilà les hommes que je cherche pour l'Afrique. Il n'a jamais trahi. Jamais. Il y a un autre doyen qui n'a jamais trahi. Antoine Dizenga. Antoine Dizenga, le patriarche. Bon, donc, ils sont nombreux. Ceux-là, leur mémoire doit être enseignée partout en Afrique, au Bénin. Suite. Cinquième question. Pourquoi le bassin du Congo en particulier et la région des Grands Lacs en général revêtent une importance géostratégique majeure pour l'Occident depuis le 15e siècle jusqu'au 21e siècle, Serge Kovi? Il est un concept très important. Ce concept, c'est le concept de pôle fédérateur régional. Pôle fédérateur régional. L'Afrique australe a pour pôle fédérateur régional la ZANI, l'Afrique du Sud. Ça veut dire que tant que l'Afrique du Sud ne va pas avoir tous les attributs de la souveraineté, le reste de l'Afrique ne les aura pas. L'Afrique, c'est comme un revolver. Quand vous mettez l'Afrique à l'envers. On ne peut pas utiliser un revolver si la crosse disparaît. C'est là qu'on met la gâchette de les balles de l'Afrique. C'est très important. La RDC, c'est le pôle fédérateur régional de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans la RDC, l'Afrique ne peut pas conquérir les attributs de sa souveraineté. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est dans la RDC qu'il y a le viseur. Le viseur. Or, tu ne peux pas tirer à l'aveuglette quand même. Il faut une cible. C'est la différence entre les francs-tireurs et les tireurs d'élite. Troisième chose. Le Nigeria est le pôle fédérateur régional de l'Afrique de l'Ouest. PFR, pôle fédérateur régional. L'Éthiopie est le pôle fédérateur régional de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie que tu vois là. Bien. Que recouvre la notion de pôle fédérateur régional? D'abord, il faut qu'il y ait là les institutions qui vont permettre et servir de pierre angulaire à l'édifice que nous voulons construire. C'est-à-dire les États-Unis de l'Afrique. Il n'y a pas de fusée qui puisse être propulsée sans rampe de lancement. C'est ce que nous appelons l'infrastructure. L'infrastructure, c'est sur ça qu'on édifie. Ensuite, il faut la superstructure. Parce que si nous sommes là et ça ne tombe pas sur notre tête, c'est parce qu'il y a ces piliers-là. Il y a les murs. Sinon, ça va tomber. La superstructure. Ensuite, il faut la technostructure. La technostructure. C'est tout ça qu'on appelle la macrostructure. La macrostructure. Donc, pour que le Lesotho puisse avoir une souveraineté commune, il faut qu'il y ait un marché dont l'Afrique du Sud est l'épicentre. Donc le Lesotho, comme un phénomène d'aimantation, va vers le marché. Et à partir de là, les hommes circulent. Quand on dit les hommes circulent, ça veut dire les mariages. Les mariages, dis donc. Quand on dit que tu circules, ça ne veut pas dire que tu vas aller à Belleville. Ça veut dire tu vas chercher épouse. Donc si un Sud-Africain cherche une épouse du Lesotho, c'est fini. L'enfant devient citoyen de tout ça. Mais en Afrique du Sud, nous devons spécialiser des institutions. L'institution qui m'intéresse, moi, c'est l'Université panafricaine des savoirs Imhotep, section sciences et techniques. C'est en Afrique du Sud qu'il faut faire. Sciences et techniques, les sciences et les techniques. Donc il y a un village qui est plus grand que Paris, où tous les étudiants viennent. Une bibliothèque,
de 25 millions de titres. Les ambitions que j'ai pour les nègres, même ne le savent pas, ils s'amusent avec moi. Tu vois? Donc, ça veut dire que chaque nègre a son computer, ordinateur. Et l'ordinateur fonctionne à partir de l'énergie solaire. Ça, c'est des visions de Lumumba. Hein. Bon, donc, il faut que cette même université ait une faculté d'économie et de gestion. Ça, c'est en RDC. Pôle fédérateur. Il faut que cette même université ait un département de sciences politiques et géostratégiques, y compris même les études juridiques. Ça, c'est l'Éthiopie. Et il faut que, au Nigeria, on mette tout ce qui concerne maintenant le numérique, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont nous devons être les leaders mondiaux. Devant les Chinois, telle est mon ambition pour les nègres. Donc, vous comprenez bien dans cette condition qu'il faut réunifier le Soudan. Parce que le Soudan est la seule façon pour nous de contrôler l'Afrique septentrionale. Réunifier le Soudan. Parce que le Soudan va sortir les Mauritaniens de l'esclavage s'il est réunifié, selon les thèses de Joe Gang. Or, nous savons que toute l'Afrique du Nord a 60% de la population qui est noire. Parce que les Arabes ne font pas d'enfants. Les Arabes ne font plus d'enfants. Et ils sont menacés même maintenant par les Touaregs même et les Berbères. Donc là, ça ne va pas du tout. Pour les Arabes. Qu'est-ce que les Arabes font? Ils dansent tout le temps, tu vois. Ils font des ronds. Des choses comme ça. Et après, ils vont dire que la mosquée. Et après, en plein Ramadan, ils se cachent pour boire du vin. Il n'y a que les nègres qui boivent. Moi, j'ai dit aux nègres, buvez! Parce que Dieu a créé le vin, c'est pour nous. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en boire? Puisque Dieu a trouvé bon. Au point qu'il a dit à Noé, prends le vin. Noé a bu jusqu'à ce qu'il était nu. Non, alors, moi, je ne vous dis pas d'être nu, mais quand même, buvez le vin, c'est bon. C'est bon même pour le sang. Ça coule, circule bien. Moi-même, quand je bois, ça circule bien. Bon, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la contradiction du Congo et de l'Afrique. Lumumba a demandé en affaire. Pourquoi toi tu parles de panarabisme alors qu'on est en Afrique? Si tu veux faire le panarabisme, fais en Arabie. Nasser a dit qu'il lui a manqué de respect. Donc on a dit c'est faux. Il t'a dit les choses qui sont évidentes. Tu es avec nous, mais tu fais semblant d'être panarabiste. Parce que ton but c'est que l'arabe devienne la langue des Africains. Vous voulez nous coloniser aussi? Vous nous appelez cousins, pourquoi? On est cousins depuis quand? Lumumba a dit que le rôle des Arabes n'est pas clair. Dans le projet panafricaniste. C'est le premier dirigeant qui l'a dit dans un discours. Et le roi du Maroc a réagi. Parce que le roi du Maroc, sa femme est sénégalaise. Le père d'Hassan II. Sa femme est sénégalaise. Et Hassan II lui-même est insulté par les Marocains qui le traitent de fils de la négresse bâtard. Et chaque fois qu'il peut, qu'il apprend que quelqu'un a dit ça, il envoie le général Oufkir dans chaque maison pour aller chercher les gens en disant que le roi veut leur faire la fête. Ils arrivent, ils disent, voici mes pieds. Lèche ça. Voici les pieds du nègre. Lèche! Donc le problème, c'est que partout ils sont racistes. Même Kadhafi lui-même n'est pas un arabe. C'est des Touaregs mélangés avec des berbères. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Les arabes le craignaient. Mais le jour, les Lekodam l'ont tué. Les arabes sont venus faire des photos. Ils étaient contents. Parce qu'ils ont dit qu'il est le protecteur des Libyens noirs, autochtones. Parce qu'il a écrit dans le livre vert un chapitre mémorable intitulé « Les Noirs régneront sur le monde ». On a dit « Toi, tu as parlé contre lui. » Donc, le problème que nous posons, ceux qui ont le livre vert peuvent voir tout de suite que je suis polyvalent en cette matière. Je pouvais même citer le passage par cœur. Donc, le problème qui est posé ici, c'est celui-ci. Les pays africains n'ont pas des institutions nationales, mais des institutions coloniales. Aucun pays africain, hormis un seul, qui est l'Éthiopie, n'a d'institution nationale. En d'autres termes encore, aucune des institutions, que ce soit les institutions judiciaires, tout ça ne procède de notre histoire millénaire. Voilà pourquoi vous voyez des Noirs qui viennent au Parlement, au Cameroun, il fait 50 degrés et ils sont des coiffures blondes. Ils sont habillés comme des Romains.
c'est qui? Ouais. Et il y a un qui a enlevé sa perruque. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache une chose. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes nationaliste quand aucune de vos institutions n'est nationale. C'est des institutions coloniales. Il faut que les Africains comprennent ça. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord changer de...